Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au pôle sportif Maxime Bossis pour ces championnats de France de billard Black Ball catégorie Masters et les quarts de finale qui vont bientôt débuter. Les 8 meilleurs joueurs français qui se retrouvent ici ce dimanche pour disputer ce premier tour des championnats de France. Avec moi au commentaire un Quimperois, Pierre-Damien Cosse. Bonjour Pierre-Damien. Bonjour, bonjour à tous. Une première affiche qu'on va commenter, quart de finale entre Christophe Lambert et Alexis Klinka. C'est ça, ouais. Bah, belle. Vu qu'on est au championnat de France, il n'y aura que des beaux matchs. Hein. Oui. Quatre affiches qu'on suivra également sur les autres tables. Table numéro 2, Christophe Thébault, ancien champion de France la saison dernière, qui sera opposé à Alexandre Bussetti. Table numéro 3, on aura Yannick Beaufils, vainqueur de 5 tournois nationaux sur 8, qui sera opposé à Kylian Ballon. Et enfin, table numéro 4, Paul Codric, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Paul. Ah, c'est son anniversaire aujourd'hui. J'avais pas fait attention. Je savais qu'on était très proches l'un l'autre. Mais ouais, ok. Et il sera opposé à Maxence Pruvot. Paul Codric, qui pourrait s'offrir un beau cadeau d'anniversaire si jamais il arrive à emporter ce tournoi. On voit le top 5 des compétitions Masters avec Yannick Beaufils, hein, qui a complètement écrasé cette compétition Masters tout au long de la saison, 5 tournois nationaux remportés sur 8. Pierre-Damien, vous l'avez affronté à plusieurs reprises. Hein. Yannick Beaufils, il a été impressionnant tout au long de la saison. Oui, dont avant-hier, au dernier Black Ball Master, on s'est joué en quart de finale. Je n'ai quasiment rien raté. Et malgré tout, lui n'a vraiment rien raté. C'est presque une machine. Hein. C'est ouais. Impressionnant la qualité de jeu qu'il peut avoir en ce moment. Et ça se ressent hein, depuis les championnats du monde. C'est vraiment, vraiment costaud. Hein. Il avait été, on le rappelle, un champion du monde individuel et par équipe avec cette équipe de France, Yannick Beaufils. Mais nous, la rencontre qui va nous intéresser, c'est cette affiche entre Christophe Lambert et Alexis Klinka. Alexis Klinka, du même club de Viroflay que Yannick Beaufils, numéro 2. C'est ça. Et que Christophe Thébault, numéro 3. Sacrée équipe hein, ouais, de Viroflay sacrée championne de France par équipe. C'était hier. C'est ça, plus la Coupe de France, on peut dire qu'ils ont tout raflé, hein, Viroflay cette année, c'était solide. Ah, une année bien chargée, bien remplie, et Viroflay, oui, qui a tout raflé, comme vous le disiez. Et Christophe Lambert, lui, il a une revanche à prendre. C'est ça, avec une saison un peu en demi-teinte, au moins sur le circuit français. Après, il a corrigé ça en gagnant un Ultimate Pool qui est une compétition internationale en Angleterre et qui ramène tous les meilleurs joueurs du monde hein, de 8 ball, de Black Ball et qui l'a emporté. Alors que c'est vraiment quelque chose, c'est presque un Graal quoi, pour un joueur de Black Ball comme ça. Donc bravo à lui et puis bah ça sauve un peu sa saison pour ça quoi. Ouais, ça lui a donné une belle pente. On le disait aussi finaliste à Agen le mois dernier lors du dernier tournoi national. Malheureusement, vous l'avez peut-être suivi hein, sur nos antennes vendredi, éliminé au premier tour. Christophe Lambert par Kevin Lelong qui est tout de même allé jusqu'en demi-finale. Oui. Et ça s'est joué à la décisive avec Paul Codric. Mais c'est vrai que Kevin Lelong peut être tellement dangereux aussi. Hein. Qui est fini le numéro 9, Kevin Lelong la compétition Masters. Oui, tout à fait. Échoué tout à fait. C'est les 8 premiers, premiers qui restent. Ça se joue à rien, effectivement. Allez, les annonces des quarts de finale qui vont pas tarder à débuter. On voit les joueurs qui sont pas encore sur place. On devrait pas tarder à commencer, mais on va bientôt commencer. Un mot sur l'arbitre hein. Également Arnaud Guidez qui sera aux commandes de cette affiche. Ces premiers quarts de finale, on vous tiendra bien sûr informé des autres résultats dès qu'on en aura. La table 2, 3 et 4. On va être timé en 1h50 malgré qu'il y ait une manche de plus. Ouais, 8 manches gagnantes. 8 manches gagnantes. Championnat de France. Donc bon. Un petit peu plus de travail à mettre sur la table. À mon avis, ça n'ira pas jusqu'au bout du timer. Je pense qu'on a deux attaquants. Oui, ça va jouer tout de suite agressif, probablement. Oui, et puis c'est le troisième jour de compétition. On commence à bien tenir les tables, on commence à bien les maîtriser et tout ça. Donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de déchets. Un pronostic sur cette affiche ? Je pense que Christophe Lambert est motivé.
L'expérience qui pourra peut-être parler face à la jeunesse d'Alexis Quinquin, tout juste 21 ans, Alexis. Oui, oui, oui. Peut-être un 8-5 pour Christophe Lambert, mais ça risque d'être très très chaud. C'est difficile de pronostiquer ça. On prend les paris. 8-5 pour Christophe Lambert. Quelle est ma cote ? Oula, difficile de se prononcer là-dessus. Mais ça va être une belle affiche, à coup sûr, entre deux joueurs qui sont en forme. Les casses vont être importantes, ça c'est une certitude. Avant-hier, c'est ce qui a pêché pour moi. J'ai très très peu empoché aux casses. Et même si on a un bon fond de jeu, qu'on se sent bien, etc., si on casse pas, si on rentre pas à la casse et qu'on laisse les tables à l'adversaire, souvent on se retrouve avec le jeu le plus défavorable. Et là, ça devient plus compliqué contre des joueurs de cette trempe. Ouais. Exactement. C'est vrai qu'on parle souvent de la casse comme étant un coup extrêmement important. Oui. Ça sera encore plus vrai. On pourrait dire que c'est le coup le plus dur à réaliser, hein, parce que d'avoir quelque chose de constant, de savoir où rentrent les billes, etc., pour pouvoir vraiment anticiper. Quand je dis ça, c'est parce que sur d'autres modes de jeu, comme le billard américain par exemple, ils peuvent avoir une case régulière en rentrant la bille qu'ils veulent déjà dans un certain trou, tout en gardant une bille pour pouvoir démarrer. Donc tout ça les aide à avoir quelque chose de constant. Voilà, c'est ça. Contrôler la blanche, contrôler quelques billes au moins de la casse, permet déjà d'avoir des départs. C'est arrivé à bien jauger la dose de sécurité à mettre, mais en même temps la dose de risque suffisante pour pouvoir empocher et ainsi continuer autour de la table et pouvoir confirmer la couleur. Tout à fait. Et on verra bien qui va casser dans cette première manche tout à l'heure au tirage à la bande. Oui. C'est vrai que c'est très important aussi le tirage à la bande, puisque ça vous permettra, si jamais manche décisive il y a, de pouvoir casser. Oui, c'est ça. C'est ça. Si la casse est un avantage ce jour-là, vaut mieux l'avoir à la décisive. Oui. Quand on casse bien, vaut mieux gagner la casse. Ouais, c'est toujours une casse de plus potentielle. Et puis de toute façon, même si on gagne 8-0, on aura toujours cassé une fois de plus que l'adversaire. C'est toujours ça. Oui. Allez, les affiches qui sont annoncées. Et on va pas tarder à voir les deux joueurs débarquer sur cette table numéro 1. Avec les annonces de Paul Coldrick, Maxence Pruvot, table numéro 4. Table numéro 3, Yannick Beaufils, Kylian Ballon. Table numéro 2, Christophe Thébault, champion de France en titre, opposé à Alexandre Bussetti. Et enfin, la table numéro 1, celle qui nous intéresse, le match entre Alexis Klinka et Christophe Lambert, tous les deux qui ont remporté un tournoi national cette saison. Alexis Klinka, c'était en tout début de saison. Premier tournoi national du côté de jouer les tours. Et Christophe Lambert, c'était le tournoi national suivant. Ouais, c'est ça, parce qu'il avait manqué le premier tournoi, Christophe Lambert, pour un tournoi international, justement, dont je parlais tout à l'heure. Donc, le tournoi de l'Ultimate. C'est ça. Très rythmé. Oui, très rythmé. On doit jouer très très vite. Très très vite, dans des distances assez courtes. Alors, il peut y avoir des. Enfin, on va dire courtes pour un tel niveau. Ouais, parce que, moins il y a de manches, plus c'est aléatoire. Et plus il y a de manches, plus le meilleur gagnera, on va dire. Hein. Mais là ça peut donner des rencontres vraiment explosives. Ouais. On vous invite à aller regarder. Hein. C'est extrêmement spectaculaire, l'Ultimate. Vous avez testé, vous, de l'autre côté, Pierre-Damien ? Je n'ai pas encore testé ces règles-là. C'est possible que je les teste début juillet, un tournoi local, hein, mais juste au moins pour essayer, pour voir ce que ça donne. Mais moi qui ai un jeu plutôt offensif, je pense que c'est quelque chose qui me conviendra dans le temps quand je m'y serai mis. J'espère que les règles tourneront vers ça. Les règles ont un peu évolué dans ces nouvelles règles-là, justement. C'est vraiment une autre stratégie aussi, très très tournée vers l'attaque. On a très peu de coups de défense par rapport à ces règles-ci qu'on joue, la Black Ball. Donc, on sera privilégié. Pour ceux qui aiment l'attaque, auront plus de chances, je pense, de tirer leur épingle du jeu dans le temps, en tout cas. Ça pourrait vous sourire et potentiellement devenir le nouveau Christophe Lambert. En tout cas, je l'espère. Un tournoi international. Vous avez pu le voir, hein, sur votre écran, le tirage à la bande qui a été favorable à Christophe Lambert, qui sera le premier à casser dans cette partie. Joueur de jouer les tours. Expérience contre la jeunesse, hein, on le disait.
Alexis Klinka, seulement 21 ans, sur votre droite. La relève. Avec d'autres jeunes hein, qui sont aussi présents dans les 8 meilleurs qui gagnent ballon, encore Alexandre Bussetti. Oui. Ouais, c'est. Eux aussi font partie de la relève. Sur 8, c'est pas mal d'en avoir 3 déjà, hein, parce que malgré tout, au Black Ball, l'expérience paye beaucoup. C'est-à-dire que là, on peut voir Christophe Lambert qui a au moins 30 ans de billard, alors qu'Alexis Klinka, bah, c'est même pas son âge. Donc, il peut pas avoir cette expérience-là. Alors, il a pu engranger quand même de l'expérience, rien que le fait que les autres ont déjà vraiment étudié le billard dans tous ses recoins. Parce que quand je dis qu'il a 30 ans de billard, c'est qu'il a quasiment commencé au moment où le billard à Black Ball a commencé en France. Donc forcément, on ne pouvait pas apprendre plus tôt, ouais, parce qu'il n'existait pas. Donc les choses se sont développées avec le temps. Le style de jeu était différent, le matériel était différent aussi, et permet de jouer plus de coups qu'auparavant. Et ça a bien évolué, le beer black ball au fur et à mesure des années. On revoit la casse de Christophe Lambert, qui a empoché une rouge. Casse excentrée côté gauche. En puissance, c'est bien effectué. Malheureusement, la blanche est venue se coller un petit pack de deux jaunes. Derrière, difficile à confirmer pour Christophe Lambert. Ouais, je ne sais pas. Je pense qu'il est sûrement, s'il veut, bah, je pense qu'il aimerait les rouges. Mais au vu de la table, oui. Oui, et à mon, il est en train de regarder si elle passe cette rouge-là droite, mais il est un peu par-dessus. Alors, il faut vraiment jouer le coup à 100%. Effectuer le cheval et avec ses mains pour sa main gauche là pour et voilà. Bien rester droit. Aïe. Ouais. Il passait pas effectivement sur. Mais il a défendu en même temps. Vu où il a mis la blanche, c'est possible qu'il n'ait pas vraiment tenté la bille. C'est possible. On va se donner une certaine sécurité si jamais il rentrait oui, pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais il laisse quand même une diagonale. La rouge entre les deux jaunes là-bas, voilà, on la voit bien dans l'alignement là. Et tout au fond de votre écran. Alexis Klinka. Pour une première bille de match, c'est pas évident. Hein. Ah, ça pourrait tout de suite le mettre en confiance, hein, Alexis Klinka, si jamais il arrive à la rentrée. Et c'est fait. Et donc Alexis Klinka bénéficiera heureux. Des rouges ouais. Dans cette première manche. Il n'est pas heureux parce qu'il se bloque un petit peu la rouge qu'il avait prévu de jouer juste après avec la jaune qu'il est venu contacter. On va pouvoir voir, ouais. Cette jaune là, vous voyez, vient s'aligner entre la blanche et la rouge. Et il change complètement son schéma. Il va se retrouver à jouer des billes de loin, plusieurs fois. Est-ce qu'il peut potentiellement la fermer cette table? Ça paraît et difficile, voilà. Hein, ouais. Et ce coup qui était très difficile à réaliser. Et le numéro 2 français, c'est quelqu'un qui doit céder sa place à nouveau Christophe Lambert, qui doit maintenant jouer les jaunes. Et une table plus difficile, hein. Côté jaune avec notamment cette bille jaune qui certes bloque l'accès à Alexis Klinka haut de table, mais ça le bloque aussi Christophe Lambert. C'est l'opposé de ce que je disais tout à l'heure, c'est que je disais que la casse était vraiment importante. Alors Christophe Lambert a rentré à la casse mais n'en a pas profité en confirmant sa couleur, ce qui fait qu'il se retrouve avec la mauvaise couleur, on va dire une couleur plus dure en tout cas, et ça ne va pas être évident d'aller au bout. Voilà, en plus, il se rajoute un problème. Ouais, ça lui fait deux problèmes sur la table. J'en dis deux parce que bah, la jaune tout à l'heure qui est venue gêner Alexis Klinka fait aussi qu'elle gêne Christophe Lambert. De ce fait. On revoit ce coup. C'est pas facile, il fallait trouver un bon angle. Ouais, éviter la noire. Il voulait passer à côté, je pense. Et derrière, la replace un tout petit peu trop long pour cette jaune, peut-être milieu de table. Poche centrale, va tout de même la tenter. Et ça va faire voyager cette blanche. Il a encore des cartouches. Hein. Tiens, ça c'est super bien joué. Il lui en manque un tout petit peu. Oui. Hein. Il lui manque rien. Il a failli se placer entre la jaune et la rouge tout en haut de table pour pouvoir se libérer de l'espace sur cette poche. En bas à gauche, votre écran. Est-ce qu'il est, il est venu imprimer un effet à droite sur la bille? Elle n'était pas évidente cette bille jaune, empochée poche centrale, on le sait, hein, cette poche qui est et il défend. Extrêmement difficile. Et oui, il défend, Christophe Lambert obligé de défendre sur ce coup-là. Il n'avait pas l'opportunité de pouvoir empocher cette jaune haut de table, donc il doit. Il a mis Alexis Klinka à un endroit où il le force à jouer une des deux rouges qui gêne les jaunes. Mais sauf que
Alexis n'est pas le dernier en coup de défense. Il est assez intelligent. Il peut se montrer très solide aussi. Très intelligent. Ouais. Il sait très bien s'adapter, Alexis Klinker. Ouais. Tactiquement, sur la partie défensive du jeu, il la maîtrise tout aussi bien que offensivement. Pour parler du parcours de ces deux joueurs vendredi à Montaigu, Alexis Klinker est éliminé, lui, en quart de finale par Paul Koltryk à la décisive. 7-6. On disait tout à l'heure en avant-match, Christophe Lambert lui avait été sorti au premier tour par Kevin Lelong. Très beau coup de défense aussi trouvé par Christophe Lambert là, qui empêche de faire jouer. Dans de bonnes conditions, Alexis Klinker. Première bataille tactique entre ces deux joueurs. Ça se jauge aussi quelque part pour savoir qui sera le plus motivé dans cette première manche, le mieux rentré dans cette partie. Alors qu'on voit défiler le timer sur la télé au fond de l'écran. 1h50, encore 1h45. On a largement le temps de pouvoir finir cette partie, mais en 8 manches gagnantes, ça demande un peu plus de... d'aller un peu plus vite, en tout cas. Nous qui disions que ça allait être très offensif, pour l'instant, ils nous font mentir. Comme toujours. <c'est... rire> Comme toujours. Ah, là, par contre, là, ça y est, il a une opportunité, il a trouvé la solution pour débloquer, donc il va jouer la jaune qui est sur la ligne de la casse et venir frapper la rouge après l'impact avec la blanche pour sortir l'autre jaune et pouvoir être aligné au milieu. La replace ici qui sera primordiale pour Christophe Lambert. C'est maintenant. Vous allez voir. Voilà. Comme ça, il a sorti la jaune et elle ne sort pas assez. Non, elle est venue se bloquer sur la deuxième rouge. C'est ce qu'il fallait faire, mais pas eu de réussite. Christophe Lambert sur ce coup. Il va essayer de venir chercher dans la rouge. Il va essayer de venir jouer peut-être entre les deux ou juste la rouge en rétro. Il va reculer s'il peut. Hein. Des fois, avec les angles de caméra, on peut avoir des doutes sur ce qu'il peut réaliser. Mais voilà. Ah, mais malheureusement, cette jaune ne rentre pas. Disais, mais par contre, la jaune a fait gamelle au milieu. Elle est rentrée, mais elle est ressortie. Un peu comme au baby-foot, quand on sait souvent là qu'on entend gamelle. Mm. Et c'est la même chose. On le disait, cette poche centrale extrêmement exigeante. Parce que vous allez voir, je pense qu'elle est en plein dedans. Hein. Eh oui. Quoique. Elle a bloqué de. Il a peut-être joué un tout petit peu à gauche de la poche. Il a voulu tricher pour pouvoir contrer l'angle qu'il avait. Et là, Alexis n'en profite pas. Non, pas réussi à prendre le contrôle de cette poche. Ouais. Et ça laisse du coup Christophe Lambert à nouveau autour de la table, c'est avec ça, cette bijonne toujours empochable. On va dire une dernière opportunité à Christophe Lambert de fermer la table. Parce qu'une fois que... S'il manque une nouvelle fois, on voit que là, le jeu de Alexis est en place. Oui. Donc, il a posé ses pions, Alexis Klinker, dans cette première manche, prêt à dégainer. Si jamais Christophe Lambert se trompe. Et c'est... Il peut déjà être décisive. Elle doit pas. Il n'a pas de chance. Hein. Non. Parce que je ne suis pas sûr qu'elle passe. Mais même si elle passe, il ne peut pas jouer celle du fond. Voilà, on voit qu'il est coincé sur la bille qui est en poche à côté de la rouge. On revoit sa tentative sur cette jaune. Est-ce qu'il pourrait peut-être passer en bande ? En train de me poser la question. Non, ça paraît difficile. Il y a la rouge. Ça paraît difficile. Ouais. Peut-être deux bandes. Mais une bande, ça passe pas avec la rouge. Avec la rouge, qui est tout en haut de votre écran. Ouais. Il pourrait jouer aussi la bande avec appui. Enfin, deux bandes, appui rouge et longée de bande. Mais ça serait fou. C'est ce qu'il joue. Vous voyez, ah, il essayait oui. de passer. Mais ça va rentrer poche centrale. Oh. Oui, ça rentre. Oh, quel coup de Christophe Lambert. Oh, c'est magnifique ce qu'il nous a proposé ici. On avait parlé de bande, mais on n'avait pas anticipé ça. Celle-là, j'étais pas prêt. Oh là là, quel coup, on le sent en pleine confiance, hein, Christophe Lambert, qui va pouvoir maintenant s'attaquer à la noire et mener 1-0. Voilà qui est fait. Christophe Lambert qui prend le premier avantage dans cette partie, ce quart de finale, avec un coup magistral. Ah ouais, le 3 bandes de milieu. Alors ça, on l'avait pas vu venir, celle-ci. Magnifique, on la revoit. Il a contourné cette rouge, prendre la troisième bande et ensuite revenir et... Pof, finir sa course dans la poche.
un petit peu de réussite aussi, parce qu'elle aurait pu, cette poche centrale, elle a refusé cette bijonne tout à l'heure. Oui, oui, elle était jouée, on va dire, à la bonne vitesse. Elle a réussi à... Tout à l'heure, il s'était trompé. La poche centrale avait refusé à sa bille cette fois-ci. C'est passé. On va dire qu'il a gagné son service. On peut communément dire ça, oui, tout à fait. Maintenant, c'est Alexis Klinka de servir à son tour. C'est ça. De mettre en jeu cette deuxième manche à la casse plein centre. Alexis Klinka tout en puissance. Et ça empoche. Et ça offre une belle table. Ça empoche même deux jaunes pour Alexis Klinka. Deux jaunes, une rouge. Il y a une rouge qui est rentrée. Une rouge qui rentre également. Très belle casse d'Alexis. Et derrière la confirmation. Alors, quelle couleur ici paraît la. Pour moi, les jaunes me paraissent plus intéressantes. Il y a trois rouges collées à bande, hein, quasiment. C'est ça. Vous pouvez prendre plus à droite de votre écran. Il y a cette jaune également tout en haut, là, qui est un peu coincée à la bande. Il faudra faire un longé de bande pour Alexis. L'enchaînement des jaunes n'est pas si évident que ça. Ça va demander de faire pas mal de trajets avec la blanche, surtout pour la replacer sur la noire aussi. Et oui, c'est ça. Alors il opte pour cette jaune là et je le comprends, comme ça il va pouvoir traiter celle qui est près de la ligne tout de suite. Voilà. Ouais, c'est bien fait. Le bon dosage pour Alexis Klinka. C'est ça. Ensuite, normalement il devrait venir se replacer sur le longé de bande, reculer un petit peu. Ouais, il va se retrouver loin en fait. C'est ça qui le gêne, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'angle sur la bille sur laquelle il s'est replacé. Il est trop droit. Trop droit. Ce qui va le forcer à jouer une bille en longée de bande, un peu en rétro, c'est-à-dire de faire reculer la blanche. Il le fait plutôt bien quand même. Ah, c'est très bien fait, oui. Il est dans l'axe là maintenant pour cette jaune, la véritable difficulté de cette table. Il faut qu'il recule de à peu près 15 cm pour se retrouver presque droit sur la jaune qui va jouer au milieu en face, mais avec suffisamment d'angle pour pouvoir descendre sur celle de droite qu'on peut voir là, parce que sinon, quoique, elle passe peut-être même au fond. Oui, elle peut. Entre la rouge et la noire. Oui, entre la rouge et la noire, c'est possible qu'elle passe. On verra en fonction de l'angle qu'il a sur la jaune, et il optera pour une des solutions s'il en a plusieurs. Ah, et il a joué en coulée. Il a raison, c'est encore mieux. Ça lui a évité de forcer le coup. Il va pouvoir maintenant du coup s'occuper de cette bille jaune dont on parlait tout à l'heure. Attaque haute pour Alexis. Exact. Et cette bille blanche qui vient accompagner la jaune continuer sa route. Après l'impact, ce qu'on appelle un coulé, geste technique. Oui. Choisi par Alexis. Voilà, et il va jouer la jaune au fond. Il est droit. S'il s'arrête à l'endroit de la jaune, eh ben, il sera quasiment droit sur noir. Et c'est, en tout cas, c'est ce qu'il va jouer. Un petit carreau là pour Alexis Klinka. Voilà. Bille blanche qui n'a quasiment pas bougé à l'impact et qui maintenant lui offre une belle opportunité avec la noire de recoller tout de suite un partout. Voilà qui est fait. Alexis Klinka qui revient dans cette partie avec une très belle ferme. Là par contre, il ne nous a pas fait mentir. Hein. Là, ça s'est allé très vite. Oui, réaction en seulement 2 minutes à tout casser. Alexis Klinka. Et c'est surtout cette casse qui a fait beaucoup de dégâts. On parlait en avant-match de l'importance de la casse. Ouais, très bon impact. Et puis les billes ont pris les bonnes directions. Ouais, c'est quelqu'un qui gagne son service à son tour. Ah, c'est ça. C'est ça. Ace. Il a fait... 40-0, jeu blanc. Et maintenant, à Christophe Lambert de répliquer. Une très belle réaction d'Alexis qui ne s'est pas laissé démonter après la perte de la première manche. Tout de suite revenu au score. Sans laisser à Christophe Lambert la possibilité de rejouer. Et là, il faut tout de suite se remettre dans le bain. C'est difficile toujours de devoir attendre, rester sur le siège, et regarder son adversaire faire une ferme. On a envie de. Ça empoche au milieu. Attention à cette noire pas empochée, ça va. Et une nouvelle fois, Christophe Lambert qui sera aux commandes de cette troisième manche, et les rouges, ils paraissent tout à les fait. Rouges, ouais. On voit déjà les trois jaunes qui sont alignées sur le bas du billard. Déjà, celles-là ne sont pas des cadeaux. Hein. On voit la casse, première bille de Christophe Lambert, avec cette bille blanche qui vient rebondir, et la jaune qui a empoché, poche centrale.
En plus, le fait que les jaunes soient là fait que ça aère la table pour les rouges. On peut plus facilement voyager avec la blanche quand toutes les jaunes sont à la rue, comme on dit. Ah ouais, j'aime absolument pas le passage pour Christophe Lambert, et c'est le choix qui va faire la confirmation en débit rouge pour Christophe Lambert avec ce bille sur bille. Bien fait. Pas forcément ultra satisfaisant pour lui. Je pense qu'il aurait préféré avoir un peu moins d'angle sur cette rouge dans la poche. Il va sûrement, il va venir enlever l'autre rouge pour pouvoir aller la jouer dans la même poche et redescendre tranquillement avec celle-ci. Là, je peux. La cote n'est pas très haute pour le fait qu'il finisse cette table. Hein. On parlait de cote tout à l'heure. Là, je ne le vois pas rater ça. Les jeux d'argent, en tout cas, jouer avec modération toujours. Ah, tout à fait. On vous le dit. Mais Christophe Lambert est autour de la table pour cette troisième manche. Et il a bien géré ses trois rouges en haut de table. Il s'est libéré de l'espace maintenant pour jouer en bas. Et rester aux abords de la noire, c'est important de se mettre à côté. Avoir le moins de trajet à faire avec la blanche. Bon, et là il va reculer de 10 cm. Voilà. Et là maintenant ça va être un carreau, un autre carreau et un autre carreau. Il va jouer trois carreaux et je peux vous dire qu'il ne va pas les rater. Et la réplique. Désolé de vous enlever le suspense. Mais à ce niveau-là, ce sont des. On récite ses gammes. Elles sont des billes d'entraînement pour Christophe Lambert. Le deuxième vient d'effectuer. Et maintenant la noire pour mener 2-1 désormais. Ça y est. Et une nouvelle ferme. Le match est lancé. Ah oui, la bataille. La belle bataille entre les deux joueurs qui vraiment ne se font aucun cadeau. On a eu la première manche disputée et puis depuis les deux dernières. Deux cases fermes. La première manche de chauffe, et puis ça y est. On vient se mettre en jambes, et voilà, les deux joueurs se répondent coup pour coup. Et là, cette noire, tranquille, elle n'a même pas eu besoin de réfléchir plus de 5 secondes. Elle joue directement, tout en tranquillité. Christophe Lambert, on le connaît. Hein. Très spectaculaire comme joueur. Les minutes défilent presque aussi vite que le nombre de parties. On n'ira pas au bout de l'heure 50 en tout cas, peut vous l'assurer. Si ça continue comme ça, ça va très vite s'arrêter. Même en 15 manches, si jamais ça fait 8-7 au final. C'est ce qu'on souhaite, hein, pas à l'heure 50. Ouais. Pour la pression que ça peut leur mener et voir justement à quel point ils peuvent la contrôler, cette pression. Et la case d'Alexis Klinka cette fois qui va. Il n'a pas trouvé de poche. Et il en a si, rentré. Il en a rentré, il a rentré une rouge. Il a rentré une rouge. Pardon, je ne l'ai pas vu. Ouais, des fois, ça peut aller vite. Hein. Et les jaunes sont plutôt intéressantes. A voir s'il opte pour le bille sur bille directement. On voit sa casse. Où est-ce qu'elle est rentrée, cette rouge? Elle est rentrée au milieu. À la poche centrale, oui, tout à fait. Elle avait échappé. Il a un bille sur bille. Voilà, d'ailleurs, il le joue directement. Voilà. Ouais, parfait. Et là, maintenant. Une troisième casse ferme d'affilée. C'est fort possible. Là, la table pour, en tout cas, avec ces jeunes. Et comme on disait tout à l'heure pour Christophe Lambert, les billes rouges ne sont pas très dangereuses. Il a plein d'opportunités, là. Il y a quatre billes rouges qui sont quasiment collées bandes. Va falloir être délicat sur le sens dans lequel il doit jouer les jaunes. Parce que toutes les jaunes ne passent pas partout. Donc faut vraiment choisir les bons angles, le bon ordre. Vous voyez, là, il s'est placé ici pour pouvoir jouer la jaune dans la poche des deux rouges, là. Est-ce qu'elle passe? Elle passe. Ouais. Mais elle est juste, voilà. Ouais, il faut vérifie. Vraiment juste donner le bon angle, tout il à fait. Il vérifie parce qu'elle est juste. On parlait souvent avec Yannick G, votre coéquipier. Du coup, peut-être Quimper de la vision de table. C'est quelque chose qui est extrêmement important, surtout à ce niveau. Bien lire la lecture de table. On va lire le jeu. Il y a plusieurs sens de ferme possibles en général, mais il y en a souvent quand même un qui est meilleur, qui est plus simple. Mais comme je dis souvent, c'est très dur de jouer simple. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cet œil. Oui, c'est ça.
c'est ça, de voir, d'anticiper tous les coups et puis de réussir à les exécuter par la suite. Parce qu'on peut voir les choses et ne pas être capable de les réaliser. Oui. Donc, c'est une autre chose aussi. Faut mixer entre les deux. Prendre le moins de risques possible. Et ça, c'est un... C'est important. Là, il est très bien. Hein. Là, il a tourné... Il a tourné la gagne. Alors, je ne sais pas le fait de jeu qui... Ouais, Arnaud Guidès qui a fait la police. Ah, il y a des gens qui étaient passés autour de la table 1. Ah, d'accord. Les strikers. Ils sont rentrés sur la... Des détraqueurs. Probablement des gens qui sont pour Christophe Lambert. Ah, peut-être des ultras, oui. Ultras de jouer les tours. Qui n'aiment pas voir ce spectacle là où Alexis Klinka est en train de fermer une nouvelle fois cette table et recoller à 2-2. Il s'est mis un tout petit peu d'angle. Bon, c'est pas très très grave, mais ça peut changer la donne. Il a... La blanche décalée légèrement à gauche et d'être droit, ça aurait été parfait. Ouais, attention à ne pas venir choquer avec une rouge. Hein. Ouais, il a raison. Ouais. Il a raison, il contrôle. Le moins de trajet de blanche possible. Et la replace est idéale maintenant pour cette noire. Oui, celle-là non plus, il ne va pas la rater. Hein. Pour recoller. C'est tant jamais. Tout de même, attention, Alexis Klinka, c'est bon. On ne va pas lui porter la poisse, Alexis. Et le revoilà de retour à 2-2. Et nouvelle casse ferme. C'est impressionnant. Hein. La précision de ces joueurs depuis le début de cette partie. On a connu une première manche disputée. Ouais, ça a duré 4 minutes là. Hein. 4 minutes en tout. Avec plus la gêne des détraqueurs où on a perdu 30 secondes. Ça va vite. Ouais. Même des supporters qui font éruption dans la salle. C'est ça. Bon, on n'en est pas au point de venir militer pour certaines choses. De... Pareil avec les grosses pancartes. Ouais, c'est ça. Enfin, bon, on n'en est pas là. Ça reste bonne ambiance ici. Et entre les joueurs, hein, beaucoup de respect aussi. On le voit souvent au Blackwell Masters, même dans les autres catégories. Très respectueux l'un envers l'autre. Et au tour maintenant de Christophe Lambert, de servir. C'est ça, là on envoie des aces. Ah oui, un duel de serveurs. Trois de suite. Dans cette partie, et la cinquième manche qui débute pour l'instant. Ça n'empoche pas. Ouais, c'est le premier à manquer son tir au but. On va faire beaucoup d'allusions sportives hein, aujourd'hui. Oh oui, on a un peu de pétanque maintenant. Mais... Des disciplines qui se ressemblent hein, tout de même. Oui. À partir du moment où c'est des sphères qui rentrent en contact les unes avec les autres, on est dans le domaine. Ouais, exactement. Exactement. Les contacts entre que ce soit des boules ou des billes font que les réactions peuvent être similaires. Alors une telle complète plus difficile quand même là pour Alexis. Plus difficile, tout à fait. Plus concentré en fait. Quasiment toutes les billes sont sur le milieu du billard. On voit qu'il y en a quasiment pas en haut, une seule en bas et tout concentré au milieu. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les billes vont être jouées au milieu, hein, mais ça rend le travail de la blanche plus précis. Et là, délicat, il est un petit peu court peut-être. C'est limite, là, mais ouais. Ça passe. Ouais, d'ailleurs, il s'excuse. Il s'excuse et on voit Christophe Lambert qui reste concentré malgré la petite réussite. Parce que c'était, il est très limite dans son coup. Il s'excuse sur le fait qu'à 2-3 mm avant, il n'aurait pas vu la jaune qu'il peut voir au fond là. Mmh. Et du coup, il s'excuse d'avoir un peu de réussite. D'être vraiment sur la marge minimum. D'accord. Il ne pouvait pas être mieux finalement. Alors que quelques millimètres avant, et c'était là, pire. Ça le mettait dans l'embarras. C'est ça. Et là, il se retrouve vraiment, vraiment bien. Il va pouvoir décortiquer. Avec une stabilité impressionnante. Hein. On passe un peu dans les fruits de mer maintenant. Ou les frites au courant, ça dépend. Bon appétit. Si vous mangez un peu il tôt. Est encore un petit peu tôt pour l'apéro de dimanche. Vous êtes en vacances, Pierre-Damien ? Pas encore. Non. Non, c'est un luxe, que je ne me permets pas souvent.
en tout cas la saison de Beer Black Ball pour vous est terminée. Ça y est, et ouais. ça va nous faire du bien aussi. La saison a été longue quand même, hein. Et là par contre on a une très très grosse coupure parce que le prochain tournoi Black Ball de la Fédération Française de Billard sera le week-end du 27, 28, 29 octobre 2023. Vous voyez, donc du côté de jouer les tours. 4 mois de coupure, ouais. C'est ça, à jouer les tours, tout à fait. Une semaine, tout juste avant les championnats d'Europe. Oui, du côté à Malte. Ouais. Du 1er au 8 novembre prochain. Et c'est des joueurs que vous voyez à l'écran, Christophe Lambert et Alexis Klinka. Ils font partie de cette équipe de France qui se déplacera à Malte. Ah, très belle jaune ici d'Alexis. Encore 2 jaunes à négocier. Et la dernière jaune, Paul Central, va être... Il est bien. Il va falloir trouver un couloir. Voilà, exactement. Ce couloir-là, il va falloir venir le chercher. Mais c'est une partie de la complexité du coup. Mais il y en a une deuxième. C'est qu'il faut se remettre bien sur la dernière jaune de manière à aussi pouvoir revenir sur la noire. Qui est à proximité. Donc il faut anticiper 2 coups. Pour pouvoir se mettre bien, malgré que ça ne soit pas évident. Voilà, donc il se laisse fin, et je peux le comprendre parce que plus fort, il aurait avancé encore plus avec la blanche et se serait retrouvé complètement bloqué, hein, parfaitement. Alors, moi, il se laisse un minimum d'espace. Là, il doit jouer fin, la rentrée quasiment mesure et faire un aller-retour avec la blanche pour probablement jouer la noire dans la même poche. Voilà, il regarde où est-ce qu'il peut venir contacter. Dans le pire des cas, sur une rouge, ouais, si jamais. C'est ça. Il a le droit de venir contacter certaines rouges, pas d'autres. Mm. Là, on appelle ça le rejet naturel. C'est simplement de jouer et de savoir où va la jaune. Vous voyez, et il passe juste à côté. Aïe, attention, cette blanche. Il est venu contacter la rouge, ouais, qu'il pensait, qu'il avait regardée, sauf qu'il l'a contactée sur un morceau, une quantité de billes qu'il l'a envoyée complètement. Snooké, c'est-à-dire qu'il est masqué. Il est revenu trop fort aussi. Masqué, hein, sur la noire. Un peu trop de puissance aussi donnée à ce coup. Parce qu'il aurait pu encore faire venir chercher la bande là où la blanche vient de taper sur le ralenti et remonter encore une fois. Il pouvait encore jouer la noire. Sauf que ça a changé la trajectoire de venir attraper cette rouge. Et là, ce n'est pas évident. Même si en situation totale. Il peut la mettre, mais il a de l'effet à mettre pour passer. Oh oui, c'est magnifique. Ouais. Et c'est Klinka qui prend la première fois à l'avantage dans cette partie 3-2. Celle-là, le joueur de Viroflay répond bien à Christophe Lambert lors de la première manche qui avait réalisé un coup extraordinaire. Et là, c'est Klinka avec cette noire qui s'était pourtant mis en difficulté, hein, avec cette blanche, mais c'est magnifique là avec la bande et il vient trouver la poche. Ah, c'est vraiment parfait. Hein. Il pouvait pas le mieux le faire. Hein. C'est vraiment du grand art que nous proposent les deux joueurs depuis le début de la partie. J'ai cru apercevoir un petit rictus de Christophe Lambert. Il a peut-être apprécié, même si c'est contre lui. En tout cas, on aime toujours le beau spectacle. En tout cas, c'est 4 parties sèches de suite, hein, qu'on vient de voir. Hein. Tout à fait, avec maintenant cette reprise ferme pour Alexis Klinka. C'est ça. Qui crée le premier break. C'est ça, c'est ça. À lui de confirmer déjà en empochant à la casse. On a dit, hein, l'importance de la casse, mais la seule fois où Christophe Lambert n'a pas empoché, eh bien Alexis Klinka en a tout de suite profité avec un jeu tout de même difficile. Hein. Il avait une table pas simple à éclaircir. Ouais, depuis la première partie, il n'y a pas vraiment d'erreur. Alors là, j'ai l'impression que les billes n'étaient pas très très bien placées. J'ai l'impression qu'il y avait quelques billes qui n'étaient pas collées les unes avec les autres. Voilà. Et ce qui fait que vous voyez tout de suite, les billes collées entre elles envoie de l'énergie dans chaque bille et donc se répartissent beaucoup mieux sur le tapis. On va voir que ça ne va pas beaucoup éclater. Regardez au ralenti, on peut voir l'importance de venir coller les billes. Elles se sont comme s'il y avait de la retenue au travers de ce paquet, et ce qui fait que derrière, c'est un peu plus délicat. Donc on va probablement assister à une partie défensive. Oui, à toutes les billes qui sont concentrées sur le bas de table. D'ailleurs, il va profiter pour ne même pas confirmer tellement la table a de difficultés. Donc il préfère, sécuriser. On ne les compte même pas les difficultés pour chaque couleur, tellement il y en a. C'est aussi ça qui fait qu'on disait tout à l'heure que la casse est très importante. C'est que malgré qu'on puisse avoir un jeu extrêmement offensif et extrêmement qualitatif en attaque,
si vous cassez mal, eh ben vous allez retrouver sur des parties tactiques et dans un autre style de jeu, tout aussi intéressant, hein, juste différent. Une autre facette, voilà, du billard Black Ball. Et il faut savoir maîtriser les deux. Et donc pour l'instant, tant que la couleur n'a pas été choisie par les joueurs, on peut décider donc, de toucher la couleur qu'on souhaite. C'est ça. Ils peuvent jouer les jaunes, ils peuvent jouer les rouges, mais par contre, ils ont juste simplement pas le droit de jouer la noire. Exactement. En direct, du moins. Alors, et là, la case d'Alexis qui a tout de même empoché une rouge. On a l'impression que là, ils ne font rien, mais en fait, ils laissent l'opportunité de prendre une couleur, mais en même temps, ils l'ont rendu plus complexe d'un autre côté. Donc en fait, là, c'est un peu le jeu du chat et la souris, c'est un jeu d'échecs. Hein. Là, oui, c'est, tout à fait. C'est des placements de pions. On a l'impression que Christophe Lambert voudrait plutôt les jaunes. C'est ça, tout en laissant la blanche à des endroits où justement les jaunes ne peuvent pas être confirmés tout de suite. Alors qu'on revoit ce coup magnifique d'Alexis Klinka. Elle est en plein dans la poche. Hein. Ouais. Poche centrale, hein, comme tout à l'heure avec Christophe Lambert. Ouais, qui sont pas faciles. Hein. Voilà. Et là, c'est vraiment un jeu du chat et de la souris, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y en a qui ne vont se faire aucun cadeau, ce sera le premier. Alors, Christophe Lambert. Est-ce qu'il va empocher ? Ça y est. C'est son choix. Et il va venir récupérer la poche en bas. Et de cette jaune qu'il avait écartée, hein, sur la. Ah non, il a plutôt choisi celle-là. Ok, d'accord. De se libérer de l'espace avec cette jaune. Je ne sais pas s'il ne voulait pas jouer un petit peu plus fin. Et justement, venir un petit peu toucher cette jaune-là quand même en. On va pas tarder à le savoir parce que là, ça laisse quand même cette opportunité-là, Alexis. Ah, très bien fait, là, de la part d'Alexis Klinka. C'était dans son idée, ne pas vouloir empocher, vraiment positionner sa bille rouge devant la poche pour. Là, il va se cacher derrière, voilà. Là, de toute façon, les deux sont très très forts tactiquement. Alors, c'est pas Gasparov non plus, hein, vu qu'on a parlé de quasiment tous les sports, on peut considérer que les échecs en sont un aussi. Oui. C'est toute la réflexion, la stratégie, avoir deux voire trois coups d'avance sur son adversaire. On voit la vitesse de réflexion que c'est déjà anticipé tout ce qui se passe. Et on vous rappelle, hein, 45 secondes entre chaque coup. Alors que pour une partie défense, on est là, ils sont en dessous de 10 secondes. Hein, et qui, à niveau inférieur, il y a beaucoup plus de réflexion parce qu'on est obligé de penser à tout, alors que là, c'est devenu que des automatismes. Donc on est très très proche du professionnalisme. On y est même, hein, pour Christophe Lambert. Ouais, on y est. Même pour Alexis Klinka. À en devenir. En devenir. Pas tout à fait encore, mais ça va arriver pour Alexis. Qui est tout de même bien épaulé, hein, dans cette équipe de Viroflé avec Yannick Beaufils, Christophe Thébault. On peut notamment le dire qu'ils sont professionnels parce qu'ils ont le statut professionnel. Les deux ? Ils l'ont, oui. Ah, les deux, ok. T'es pas sûr pour Alexis Klinka, mais oui. Ils l'ont. Mais maintenant que tu me le dis, j'ai un doute aussi. Mais je préférais pas m'avancer. Non, pour moi, il l'a aussi. Il me semble que les personnes qui étaient qui représentaient l'équipe de France à Albi, ils étaient tous ou quasiment. D'accord. On lui demandera, Alexis. On lui demandera. On viendra informer, bien sûr. Je crois dans ce qui importait, c'était une histoire d'être médaillé. D'être médaillé, mais alors vu le nombre de médailles raflées, tout le monde, ouais, finalement. au moins avec les la moisson de médailles françaises, ouais, tout à fait. Ouais. Impressionnante cette équipe de France à Albi. C'était l'année dernière, en 2022, en espérant qu'ils feront de même pour les championnats d'Europe en fin d'année. Ça serait bien, oui. Ce sera dans une autre ambiance, hein, à domicile. Ça leur tenait tellement à cœur de faire des résultats qu'ils ont tout raflé. Et notamment dans le club de Paul Coldric ou encore de Kevin Lelong à Albi. Ouais, c'était un bel événement, une belle organisation, une très belle salle. On espère que ce sera réitéré dans les années à venir. Alors évidemment, pas tous les ans. Hein.
parce qu'il faut se répartir quand même, c'est toutes les beaucoup de nations en tout cas qui jouent. Alors on peut pas toujours mettre ça au même endroit, même si l'Angleterre est un peu privilégiée sur le fait que le billard vient de l'Angleterre. Oui. Ils ont le forfait. Ah oui, c'est bien fait. C'est voilà, de la part de Christophe Lambert qui a empoché les deux billes. Là, il s'est créé une opportunité. Alors, c'est pas encore fait hein, parce que la noire est toujours bloquée. Et les deux jaunes qu'il y a au milieu, de table, ouais, avec la rouge, là, voilà les deux, la molécule. La molécule d'oxygène de 10 soufre. On part en science maintenant. C'est ça. On aura fait tout le monde. Tout le monde. Ah bah pour tous les collégiens, lycéens, peut-être qui passent le brevet ou le bac. Je ne sais pas exactement où ça en est actuellement. Mais je pense on fait quelques révisions avec vous. C'est ça. Bah j'espère qu'ils ne sont pas en train de nous regarder s'ils ont des épreuves. Hein. Passionné de bière Black Ball, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour se faire une petite pause dans leur révision. On est dimanche quand même. Hein. On est dimanche, oui, tout à fait. Attention, cette blanche ne pas empocher, ça va. Ça passe. Il n'est pas content parce qu'il a tapé le coin de la poche, qu'il l'a renvoyé à un endroit imprévu. Et ça va lui donner un coup extrêmement difficile. Maintenant, à jouer, on revoit cette belle empoche tout de même, hein, poche centrale. Mais il voulait frapper la bande comme il a fait et revenir en taper la deuxième bande pour aller de l'autre côté, voilà, et pouvoir jouer en haut de votre écran, oui. C'est ça. Il va devoir jouer avec la bande. Il se retrouve en bande pour retomber sur ses pattes, comme on dit. C'est un coup difficile à réaliser. Ah, c'est bien fait, encore une fois. Très bien exécuté. Quel niveau de jeu on a de la part des deux joueurs depuis le début de cette partie. On sent bien que c'est des championnats de France, hein. Ça rigole plus du tout. On donne tout ce qu'on a pour cette dernière épreuve de la saison ici à Montaigu. C'est vraiment super. Hein. Avec deux bandes ici pour Christophe Lambert. Donc là, c'est pour se replacer sur le bi sur bi, c'est-à-dire voilà, il se met là pour pouvoir jouer la jaune sur la jaune. Sur la jaune, ouais. Et rentrer poche centrale. Tout en gardant l'autre jaune jouable dans la poche de la rouge. C'est toute la technique du bi sur bi. C'est très difficile, voilà. Parce qu'il faut, contrôler les trois billes. Ouais, pas que la blanche part trop loin également. C'est une de plus. Voilà. Alors là, c'est bien fait, mais est-ce qu'il a la place maintenant pour cette dernière jaune? Surtout que... Il a la place, elle passe. Par contre, il faut encore venir se replacer sur la noire. Sur la noire, ouais, exactement. Donc, il va falloir jouer beaucoup de carreaux sur cette jaune dans une poche milieu, avec beaucoup d'angles, pour pouvoir jouer la poche... pour pouvoir jouer la noire dans la poche où il a mis la bande juste avant. Donc on va voir là, hop, le carreau, il remonte et voilà, et il se met droit sur la poche. Oh, c'est parfait, oui. C'est très très bien joué. Réglé au millimètre ici, Christophe Lambert, pour débreaker dans cette partie, revenir à 3-3. Ah, je commence à bien apprécier ces allusions tennis. Ouais. Commence à s'y faire ici. Allez, Christophe Lambert pour l'empochage, c'est fait. Et le revoici. Sur le court Philippe Châtrier. Roland-Garros en était quelques semaines. Quelques semaines, ouais. Pas plus. Et la pause qui est demandée par les deux joueurs. On va se quitter quelques instants. Petite page de pub avec un geste parfait. On revoit tout de même l'empochage de cette noire de Christophe. Magnifique, encore une fois, un coup difficile à jouer. Mais il a très bien su garder le contrôle. On se quitte quelques instants, petite pause, geste parfait, bière carambole avec Willy Gérimont qui vise champion d'Europe, le Massé, à tout de suite. Champion d'Europe de billard carambole, mon geste parfait, le massé. Le but du carambole, du billard carambole, c'est comme le nom l'indique, avec sa bille, on doit caramboler les deux autres billes. A chaque fois qu'on carambole les deux autres billes, ça nous fait un point,
ainsi de suite, et on doit aller à un nombre de points déterminé selon la discipline. Le massé, c'est l'addition en fait d'un effet latéral et d'une inclinaison qui permet de faire une courbe sur le billard. Et c'est un moyen technique de parvenir à caramboler les deux autres billes avec notre bille. Plus on fait de la distance, plus il y a une petite part d'approximative. Et donc du coup, parfois, on préfère, au lieu de faire une bande avant ou plusieurs bandes avant, on préfère contourner plus ou moins une bille tout en la touchant. D'accord ? Donc avec ma bille, ma première bille, la deuxième bille, la troisième bille, on essaie de toucher la deuxième bille et d'envelopper les billes. Voilà, ça nous a permis de faire beaucoup moins de parcours pour réaliser le point et de conserver une certaine maîtrise des billes en fait. C'est un coup qui demande une exigence technique déjà de base sur d'autres points. Il faut avoir déjà compris certains mécanismes. Le fait que la bille tourne en arrière ou en avant ou latéralement, des trajectoires. Donc c'est un coup qu'on ne voit pas tout de suite. Alors moi c'est un coup que j'ai tenté très rapidement, bizarrement, parce que c'était quelque chose qui me fascinait de voir une bille qui faisait des courbes, etc. Donc c'est un coup que j'ai tout de suite voulu réaliser, et c'est peut-être l'un de mes coups que j'ai bizarrement réalisé les premiers au niveau coup technique. Et oui, c'est un coup qui m'attire. J'aime bien voir les billes partir dans une direction et d'un seul coup changer de direction pour aller dans une autre direction. Et le massé nous permet cela. En fonction de la courbe qu'on veut réaliser, il faut déterminer une certaine inclinaison de canne de billard. Après, au niveau de la position, on a toujours le coude en dessous de la canne de billard. On utilise plus ou moins le poids de la queue de billard, sachant qu'on est à peu près, par rapport au point d'équilibre, on a une bonne main derrière. Voilà. Le but, c'est d'avoir un geste un petit peu fermé pour avoir un petit peu d'accélération. Parce que, en fait, ce qui va créer une rotation, c'est l'effet qu'on va mettre. Une certaine accélération qu'on va donner aussi, une certaine impulsion qu'on va donner à notre bille. On a toujours la canne de billard qui est en dessous de notre menton, ce qui nous permet de mieux visualiser avec nos yeux et notre œil directeur l'endroit où il faut viser. D'accord ? Et après, selon l'inclinaison, on va mettre de l'effet, on essaye de pincer un petit peu, et donc là on réalise du coup le massé. Alors le massé est souvent dans une situation où la situation est compliquée, et où on souhaite faire le point, alors, soit pour se replacer, pour avoir une position plus favorable, avant tout déjà pour faire le point, et c'est pour éviter de faire des grands parcours, plutôt faire des petits parcours, même si ça demande un geste technique. Là par exemple c'est une situation de massé que j'ai rencontrée et qui m'a vraiment marqué lors d'un de mes titres de champion de France. Et là, je m'étais mis dans une position un petit peu délicate les coups précédents. Et donc là, l'option bande avant n'était pas retenue de ma part parce qu'il y avait un risque trop important de passer entre les billes. Donc la seule optique que j'ai vue à ce moment-là, c'était le massé. Massé très compliqué, mais je voyais que ça. Et donc là, c'était assez gratifiant parce que je l'ai réussi et le coup d'après, j'ai pu terminer la partie et être champion de France. Donc c'était vraiment un massé qui m'a marqué. Il faut vraiment que le massé soit dans le registre de l'efficacité. C'est-à-dire que quand on le tente, on est quasiment sûr de le réaliser et d'obtenir ce que l'on souhaite. On est de retour au pôle sportif Maxime Bossis. Un geste parfait, extrêmement compliqué à réaliser. Le massé, vous avez pu voir. Et deux joueurs qui sont de retour à la table. Trois partout. Et il y a Christophe Lambert de cassé dans cette septième manche. Un tout petit peu moins de 45 minutes. Pour six manches, ça reste honorable. Très rapide. Hein. Oui, ouais. Plus la pause. Plus la pause en plus, exactement. La pause, c'est presque une partie. Hein. Avec eux, oui. Voire deux. Oui, ce qu'on a pu voir depuis le début du match, effectivement, on aurait pu déjà être à 4-3. Mais pour qui sera la question avec la casse. Christophe Lambert, cette fois-ci, excentré côté droit et qui empoche une jaune. Et ça empoche. Et une rouge. Deux, oui. Également. Et avec des jaunes plutôt bien espacées, mais les rouges aussi. Hein. Là, ça va être une histoire de.
de préférence. La lecture de table qui va être importante ici pour Christophe Lambert. On revoit sa casse ici, plus côté droit. Il a été côté gauche depuis le début de la partie. Je pense qu'il optera plus pour les jaunes quand même. De mémoire, elles avaient l'air un peu plus groupées. Ça évite des trajets de blanches à droite et à gauche. Mais encore faut-il bien se positionner. Pour l'instant, il est encore dans la réflexion. Il a 1 minute 30. Hein. 1 minute 30 tout à fait pour réfléchir. Et ensuite, 45 secondes par coup avec une possibilité d'extension. De elle-même, 45 secondes aussi. 45 secondes, tout à fait. Une fois par partie et par joueur. Il va commencer par enlever. Oh, c'est un petit peu fort. Est-ce qu'il va pas devoir remonter sur la jeune pole centrale du coup ? Il va peut-être rester là quand même, jouer la jaune la plus proche de lui, mm-hmm. et pousser, s'arrêter sur la rouge qui est un petit peu à gauche. Voilà. Ouais. Par contre, il faut vraiment l'enlever, cette rouge, parce que sinon, elle peut venir se mettre dans l'axe de la noire pour la jouer tout à l'heure. Exactement. Si jamais elle passe dans cette poche. Oh. Et elle se met là où je disais. Et elle empêche de passer la noire. Alors la noire passe toujours dans la poche du fond, mais ça change quand même l'ordre prévu. Vous voyez, on le voit grimacer. Hein, tout à fait. On revoit son coup, Christophe Lambert. Vous voyez, cette rouge qui... elle voulait passer encore un peu plus, et là la noire était libre. Et là maintenant, il va falloir faire parler la technique. Et ces deux billes, d'abord en bas de table, à négocier. Alors, Christophe a vu quelque chose. C'est qu'il va venir s'appuyer avec la jaune, il va la jouer dans la poche de la rouge qui vient de se bloquer, mais en venant prendre appui, il va la taper à peu près sur la moitié de la bille pour venir la mettre soit dans l'autre poche, soit contre la bande, et puis remonter avec la blanche pour aller jouer les deux billes dans la poche milieu. Il a l'angle pour le faire. Ouais. Naturellement, la blanche va déjà prendre la bonne trajectoire. À lui de s'appliquer sur la précision. Pour se simplifier cette fin de table. Ouais, c'est ça aussi la vision de vous, joueur de Black Ball Masters, différente de simple mortel. Il est passé à côté. Et donc ça, là, il est frustré. Ouais, hein, ouais, Christophe Lambert. On le voit que c'était vraiment son objectif. Hein. Parce que là, il s'est mis loin de cette jaune. Et il s'est mis un peu contre la bande avec la blanche. Et ça rend le coup... Et c'est clairement compliqué la tâche. Ce coup-là, un peu difficile, mais probablement le suivant encore plus. Alors, place qui sera plus compliquée ainsi pour Christophe Lambert. Et là, le joueur de jouer les tours, il doit sortir le grand jeu. Parce qu'il va venir choquer légèrement la jaune, mais du bon côté. Voilà. Elle passe. Il va le faire. Et là-dedans, alors là, il a le choix. Est-ce qu'il peut passer en bande ? Il peut jouer en bande ou il peut jouer naturellement finesse au milieu. Ça dépend de où est-ce qu'il veut arrêter la blanche pour pouvoir jouer cette noire dans la poche qu'on disait. Parce que si elle passe au milieu ou qu'elle passe au fond, si elle passe au milieu, il va pouvoir jouer finesse. Mais elle passe pas. Pour moi, elle passe pas. L'angle est extrêmement difficile ici pour Christophe. Il va Christophe. Peut-être venir la chercher. Hein, parce que c'est très difficile d'arrêter la blanche avec la vitesse, vous voyez. Et il va venir. Et il voulait la jouer. Et vous voyez, tout à l'heure, même dans cette configuration-là, s'il avait réussi à enlever la rouge qu'il y a dans la poche du coin, et ben il aurait quand même pu jouer la noire. Et là, c'est pour ça qu'il voulait se donner le maximum d'opportunités. Et qu'il s'est... il est passé... à côté, malheureusement. On revoit cette dernière jaune en finesse. Un tout petit peu trop de latéral. Ah, c'était un coup difficile. Hein. Pas beaucoup de choix sur ce coup. Christophe Lambert qui s'est mis tout seul en difficulté. C'est encore lui qui joue. Il a encore peut-être il y a peut-être la place hein, quand même, sur cette noire de contourner la rouge. Ah non. Oh oui, mais vraiment pas loin quand même, parce qu'il a vraiment joué ça. Il a vraiment joué la quantité de la rouge pour pouvoir laisser passer la noire. Et cette bille noire qui vient mourir devant la poche. Et maintenant, ici, clinka. Parce que, regardez, alors ça, je peux vous dire que c'est un coup très très rare de jouer ça. Avec parce une attaque haute. C'est très très dur de l'exécuter parce que la précision sur la rouge est vraiment, vraiment très difficile.
Et puis on est sur une diagonale complète hein, pour le coup. Là, oui, vraiment en plus, tout au bout. Dans la poche avec la blanche. Mais là, il laisse une table plutôt simple à Alexis qui va normalement se charger de. Ah, la table est complètement ouverte. Hein. Ouais, c'est ça. Alexis Klinka qui en plus n'a aucune difficulté. Avec une possibilité de rebreaker de nouveau. Hein. De nouveau, effectivement. Reprendre l'avantage dans cette partie après avoir mené 3-2. Remener à son tour 4-3. Malgré le fait que Christophe Lambert ait été empoché à sa casse. Cette fois-ci, Alexis Klinka va pouvoir en tirer profit. Et ça peut être un moment important. Juste après la pause, là, cette noire manquée de la part de Christophe Lambert, ça peut être un tournant de la rencontre. On le sait, hein, ça joue vraiment à des tout petits détails dans ce type de partie. Et là, il avait l'occasion de mener 4-3 à nouveau. Et se retrouver mené, c'est pas du tout la même situation. Alors qu'on sera à la mi-match à peu près. En tout cas, Alexis Klinka aura fait la moitié du parcours si jamais il arrive à nettoyer cette table. Reste encore à le faire pour Alexis. Il reste encore 3 rouges sur la table pour s'attaquer à la noire. Les deux billes d'un côté et de l'autre, ce n'est pas toujours évident à gérer parce qu'on vient souvent traverser les trajectoires. Là, il se retrouve quasiment droit sur sa bille, ce qui fait que c'est pas évident. Je suis pas un grand fan de cette configuration de table. Il se creuse la tête, Alexis Klinka. Il va probablement jouer le rétro, donc c'est-à-dire de jouer en attaque basse, donc en bas de la blanche, pour pouvoir faire reculer la blanche après l'impact jusqu'à la bande, puis revenir quasiment proche de la rouge pour pouvoir la jouer. Ouais, c'est un aisément. Gros coup technique là, jouer pour Alexis. Je pense qu'il va jouer ça, à moins qu'il ait de l'angle, mais je pense pas. Ouais, il a l'air d'une attaque basse là, ouais. Voilà, ouais, il fait exactement ce que je dis et il le fait. Oh, mais c'est à merveille. Attention, pas trop venir sur la rouge c'est non parfait. Plus. Ça c'est va. Parfait. Il va comme ça, il va pouvoir en plus se décaler de la bande parce que la noire, on dit qu'elle est en poche, mais en fait, elle est quand même un petit peu sur le côté de la poche. Il faut avoir un angle. Ouais, vaut mieux se remettre en plein centre de la table et la jouer plutôt que de la jouer très très fine et d'avoir un risque de mettre la blanche en même temps, voire de la rater, cette noire. C'est de donner le moins de difficultés possible, prendre le moins de risques. Tel est l'objectif d'Alexis Klinka. Table, ça y est. Et là, il a l'angle parfait pour la noire. Pour breaker. Et finir cette table. C'est fait. Et le revoici devant, Alexis Klinka, dans ce quart de finale, qui mène désormais 4-3. Et ça peut être une partie déjà décisive. Hein. Quand on sait le niveau de ces deux joueurs. Oui. On peut voir le rétro imprimé à la blanche, vous voyez, pour qu'elle recule bien. C'est pas naturel que ça fasse ça. Il a forcé ce coup. C'est un coup très technique. Il a bien forcé en tout cas Alexis Klinka, qui a su profiter de la première petite erreur de Christophe Lambert. Et maintenant, le joueur de Viroflay qui est à la casse. Une queue de casse différente de la queue utilisée traditionnellement pour le jeu. C'est ça, oui, pour deux choses. C'est une partie, c'est. Enfin, trois choses, c'est pas le même poids. C'est pas la même taille de procédé, c'est pas la même dureté de queue de billard, donc ça c'est matériel. Et puis ça évite aussi d'user le procédé, donc qui est le petit morceau en cuir qu'il y a sur sa queue de jeu, sur les queues de jeu. Parce que le fait de casser avec ça fait qu'il se tasse plus vite. Et donc le ressenti qu'on peut avoir au bout de la queue de billard change sur le fait que ça s'use prématurément. Beaucoup plus rigide pour donner un grand coup. C'est ça. À la casse, et malheureusement pour Alexis, cette fois-ci, ça n'empoche pas. On se retrouve dans le même cas de figure que tout à l'heure, c'est-à-dire que Alexis Klinka break, et derrière, l'opportunité il ne rentre pas à la casse. Tout à fait, de pouvoir recoller au score à nouveau. On revoit la casse d'Alexis, et notamment cette rouge en bas à gauche de votre écran qui va mourir juste devant la poche. Hop, et elle reste bloquée, à moins quelques millimètres de rentrée. Et ça ne va pas lui sourire. Alexis Klinka est maintenant au tour de Christophe Lambert de jouer. Lui qui a validé les rouges.
dans cette manche. Plutôt logique au vu de la disposition. S'il y a deux rouges, notamment que là, la noire là, qui pourrait être embêtante. Il va peut-être venir les chercher tout de suite. Avec ce, il a un petit peu d'angle. Je pense qu'il va aller les chercher. Ah non, il va jouer le bi sur bi. Il préfère enlever la réussite et jouer uniquement sur la qualité de jeu et sur la précision. Toujours et il a bien raison. Ouais. Plutôt que d'aller chercher un petit peu d'aléatoire, on va dire. Attention tout de même à cette blanche. Pas trop venir choquer avec les autres billes, se cacher. Ça va. C'est très bien avec joué. Un rétro. Il libère la noire. Les rouges sont libres. Ouais, c'était la difficulté de cette table. Normalement là. Et Christophe Lambert a parfaitement réalisé ce coup. Il va pouvoir aller au bout des choses là. Ce bille sur bille sur bille. Il va couler un petit peu. Ouais, pour aller chercher remonter. La bande. Voilà, comme ça, redescendre. Et là, il se met parfaitement. Ah, il est tout droit là pour ce bille sur bille. Et ensuite enchaîner. C'est parfait. D'exécution. La replace est nickel. Derrière. Et Christophe Lambert en posture maintenant de recoller une nouvelle fois 4 partout. Qu'est-ce que c'est serré entre ces deux joueurs. Il va pouvoir jouer la bille dans la poche, je pense. Et venir se mettre un petit peu d'angle sur la rouge pour rejouer la noire. Il a le choix. Remonter ensuite et empocher dans la même poche que la dernière rouge. C'est ça. En haut à droite de votre écran. Il a le choix. Pour quel choix il va opter? Un petit peu de temps de réflexion et Christophe Lambert, vous avez vu, demander à l'arbitre l'extension. Bon, et ben il va jouer celle qui est décalée et veut revenir. Il veut nous faire mentir, Christophe Lambert. Voilà. Et là, comme ça, il va pouvoir revenir avec la bande et se replacer pour jouer la noire en plein milieu. Il peut revenir en plein milieu de la table. Hein. Ouais, même là, s'il a joué cette noire, elle pouvait rentrer. Il va jouer avec un petit peu d'effet à droite et un petit peu de bas. Ah, il fait carrément le rétro. D'accord. Oh, oui. Bah, par contre, il est vraiment en plein milieu de la table, mais je pensais pas qu'il allait faire deux bandes. Enfin, qu'il allait faire cette bande-là. Je pensais qu'il allait revenir un peu plus naturellement. C'était sa lecture de jeu, en tout cas, à Christophe Lambert. Et ça va fonctionner, puisque ça lui permet une nouvelle fois de recoller. Dans cette partie, 4 partout entre les deux joueurs après 8 manches. Et un petit peu moins d'une heure de disputer. C'est ça, on est vraiment dans le timing. Hein. Pour l'instant, il y a 4 à 4, on est au milieu du match et on est au milieu du time. Vous disiez tout à l'heure 8-5 pour Christophe Lambert. 8-5. On s'en rapproche. On s'en approche. Si je veux que mon pronostic soit bon, Alexis a le droit de prendre qu'une seule partie maintenant. Il faut qu'il mette la vitesse supérieure, Christophe Lambert. Pour pouvoir maintenant faire la différence, ce sera lui qui sera à la casse de cette 9e manche. On en parlait tout à l'heure de l'importance de la casse hein, et puis le fait que Christophe Lambert soit le premier à casser. Si jamais il y a 9e et dernière manche, 15e pardon, dernière manche, on est à la 9e manche actuellement, 15e dernière manche, ce sera lui à la casse. Et vu la réussite des deux joueurs à la casse depuis le début de la partie, ça pourrait être décisif avec Christophe Lambert. Christophe a encore changé, enfin est resté sur le côté, il a changé. Hein. Tout à l'heure il cassait. Cassait à gauche, maintenant à droite. Et ça empoche. Ça empoche une jaune. Attention et à la blanche. Heureusement que ce petit contact sur la rouge à la fin. Ah, elle lui fait du bien cette rouge. Hein. Parce que si elle n'était pas à l'endroit où elle était tout à l'heure, oui, la blanche était tout droit dans la poche. Une blanche très malchanceuse hein, parce que c'était avec plusieurs contacts et des bandes, etc. Et on va la voir. On voit cette casse, oui. Regardez uniquement la blanche, vous allez voir tout le parcours qu'elle a fait. Elle est partie là-bas, elle s'est fait contacter ici, bande. Imaginez si vous la mettez comme ça. Là, c'est pas de chance. Ouais. C'est triste. Alors malgré tout, on a vu le petit nom de la tête d'Alexis parce que... Il aurait bien aimé, lui. Hein, voilà, là, c'est ça. Son rêve est aussi qu'il y ait de la malchance hein, pour l'autre. Hein, parce que si la réussite est que dans un sens, à ce niveau-là, ça peut aller très vite. Ah bah, qui dit malchance pour l'un dit bonne chance pour l'autre. Ah, c'est ça.
C'est bon comme ça. Et donc Christophe Lambert est toujours autour de la table maintenant pour la confirmation de la couleur. Il partira sur les jaunes. Il a empoché une bille tout à l'heure sur la casse milieu poche centrale. Il va faire le tour en deux bandes. Et là il est bien. Une table encore une fois assez ouverte. Hein. Là il est bien, il va pouvoir. Il faudrait qu'il puisse. Voilà, il faudrait. Il est en train de regarder cette bille milieu. C'est celle-là qu'il faudrait venir jouer juste après. Ouais. On revoit. Cette belle replace hein, surtout. Déjà là, l'angle donné était parfait. Et derrière la replace est excellente. Ça aussi, il va venir savoir chercher la bande. C'est un peu attention, fort. Ouais. Un peu fort. Il est venu quasiment se coller à la rouge. Il a encore des solutions. Il a encore plein de solutions. Il peut même la jouer au fond, cette rouge, cette jaune là. La jaune dont on regardait au milieu, elle passe aussi dans la poche là, sur votre écran, en bas à gauche. Elle passe là-bas aussi, donc il pourrait simplement jouer tranquillement dans la poche. Du fond à droite là, comme il va la jouer maintenant, et aller se placer délicatement en gardant tout de même un pied au sol. Il va peut-être la jouer quand même dans la poche milieu hein. Ah bah dans la même poche. Ah ouais, dans la même poche ouais. Vous voyez, ça c'est une histoire de choix. Peut-être plus confiant sur cette poche aussi. Peut-être oui. Elle est plus proche en tout cas. Plus les billes sont proches, plus on va dire c'est simple. Je vais pas dire facile, mais plus simple. Je sais que c'est un mot interdit hein, quand on parle de billard black ball, mais ça aurait peut-être laissé place à un peu moins d'aléatoire. Oui. Ouais, ouais, tout à fait. C'est un gros mot. Hein. Au billard black ball. On va dire plus les joueurs sont de haut niveau, moins il y a d'aléatoire. Mais bouchez-vous les oreilles, les enfants. J'ai pas le droit de le dire. Et là, il se positionne bien. Et là, maintenant. Il a une occasion de lui-même breaker. Ça ferait de conserver son service. Cette fois-ci, oui, c'est lui qui était. Oui, oui, exact. Mais de prendre le lead. Pardon. Prendre le lead, ouais. Revenir devant après avoir perdu sa casse les deux dernières manches. Ah oui, de reprendre à nouveau l'avantage. Lui qui a mené 1-0 puis 2-1, qui s'était retrouvé mené 3-2 et 4-3. À nouveau. Une bonne posture là pour aller chercher une casse ferme et reprendre les devants. Et il va la jouer au milieu, cette jaune qui passe au milieu de tout. Ouais. Elle passe au milieu et la noire aussi. Entre la rouge et la noire, et effectivement un minimum de trajet de la part de la blanche pour ensuite se positionner sur la noire et se donner l'angle pour en tout cas. La petite blanche qui va quasiment faire de trajet là. Ouais. Hein, qui va tout de même un peu bouger. Un petit peu et maintenant. Mais ça suffit. La noire pour confirmer tout ce travail. Alors qu'on vient de dépasser l'heure de jeu. Vous voyez sur le timer qu'il y a encore 47 minutes de jeu. On n'ira sans doute pas au bout du timer. Mais beaucoup de concentration à demander pour Christophe Lambert pour reprendre les devants dans cette partie menée 5-4. Attention à cette bille noire, et ça vient mourir devant la poche. On a vu le petit geste de main là, ouais. Ça c'est quelque chose qui peut l'énerver. Il est venu taper le petit renfoncement de la poche centrale et... Ça en fait deux, hein. Ça en fait deux. Tout à l'heure il a manqué la noire, alors certes c'était pas la même, elle était beaucoup, beaucoup plus dure que celle-ci. Sur la septième manche. Il l'a prise un peu trop pleine. Alors, il pourrait l'avoir pris un petit peu trop pleine sur le fait que la rouge gênait un petit peu à droite. Elles étaient quasiment collées. Hein. Donc, c'est peut-être le fait aussi que la replace était un petit peu longue. Un tout petit peu. Sur la dernière jaune. Il aurait préféré être un petit peu plus droit. Mais malgré tout, il s'en veut parce que c'était pas quelque chose... Pour lui, je pense que c'était immanquable à ce moment-là. Et on a vu tout de suite Alexis Klinka jouer. On va voir, il joue le massé, justement. Qu'on a vu tout à l'heure du reportage à la pause. Ouais, cette bille blanche qui tourne sur elle-même. Énormément, ouais. Beaucoup de rotation. Avec ces clinquas qui étaient déjà autour de la table, prêts à jouer.
Et là, c'est dans ce type de partie, c'est peut-être avantage à celui qui en a le plus de billes encore sur la table. Complètement, on pourrait croire comme ça. Oui, il ne reste que la noire, alors que l'autre, il lui reste toutes ses billes. Sauf qu'il lui reste aussi énormément d'opportunités de cacher la blanche à des endroits complexes, comme il venait de le faire juste avant. Exactement. Donc là, il va probablement sacrifier une bille, peut-être, et aller se cacher une nouvelle fois. Et récupérer deux coups. Vous voyez, il est en train de regarder où est-ce qu'il peut cacher, où est-ce qu'il attaque. Là, c'est la réflexion de j'attaque ou je défends. Est-ce que je prends mon destin en main tout de suite, ou alors que est-ce que je mets un dernier coup sur la nuque de mon adversaire. Par l'attaque, avec Siklinka. En tout cas, il a sacrifié la bille que je disais. Maintenant, est-ce qu'il va décider de stopper son attaque maintenant et de bloquer son adversaire? Se cacher, oui. Il pourrait, hein, en haut de table en tout cas. Ouais, c'est probable qu'il le fasse. Après, il faut le faire bien. Parce qu'il y a... faut pas laisser un petit couloir à Christophe pour qu'il puisse jouer cette noire directement. Ah, il le sent pas, Alexis. Hein. Donc, il va la jouer. Il va jouer cette diagonale. Plein à faire. Ouais, carreau. Oui, le carreau parfait. Après le geste parfait tout à l'heure, le carreau parfait. C'est ça. Ici, Klinka. Là, maintenant, c'est à voir. Jusqu'à, pas jusqu'à la dernière bille, mais pendant encore un moment, il pourra décider de stopper son attaque. En fonction de sa replace, hein, toujours pareil. Si jamais il sent qu'il n'est pas tout à fait bien placé pour une bille, eh bien, il pourra se permettre de défendre. Mais là, Alexis, il est repassé en mode attaque. Plutôt confiant. Ah, il fait un match plein pour l'instant avec Siklinka. Quasiment aucune erreur. Seulement sur la casse où il a été un petit peu malchanceux. Oui, bon, là, avec la table qui lui reste maintenant, je pense qu'il va partir à l'offensive. Un joueur offensif avec Siklinka. Hop là. Tout comme Christophe Lambert. On a eu des parties plus tactiques, vendredi notamment. Là, on se régale entre ces deux joueurs. Très belle partie que nous offrent ici Siklinka et Christophe Lambert. Et attention à cette blanche qui vient se coller à la rouge. Ouais, il s'en veut là, Yexi. Il pourra peut-être encore défendre. Il peut jouer la bande aussi. Hein. Il peut jouer la bande, mais là, on rentre dans les imprévus. C'est que il ne voulait pas être là, hein, croyez-moi. Oh non, quand vous voyez sa tête. Et puis oui, ça redonne aussi un petit espoir à Christophe Lambert. Ah, il était bien parti pour se dire qu'il voilà, ne peut revenir sur la table pour cette 9e manche. Et là, il reprend espoir, Christophe Lambert. Attention tout de même, parce qu'Alexis Klinka, c'est un joueur... Il joue la bande. Extrêmement complet aussi, capable de nous proposer le meilleur. Mais il défend. Oui. Il défend. Je pense qu'il l'a joué comme ça. Je pense qu'il a joué la défense avec. Alors si jamais il a empoché, il était aussi bien placé pour la bille pour le central. Et même celle l'autre passe à côté de la noire aussi. Elle passait aussi, oui, tout à fait. Il avait du choix. Il s'est gardé toujours cette sécurité. Ah non, il s'excuse. C'était pas ce qu'il voulait. C'était pas volontaire. Ouais. C'était pas volontaire de cacher la blanche. Et donc forcément, c'est d'autant plus énervant quand c'est imprévu pour l'autre. Alors que finalement, c'est la même chose. Mais la manière dont on aborde le coup de chance ou le fait qu'on soit placé à cet endroit-là, mentalement, c'est pas pareil. Ouais. Ça joue forcément et Christophe Lambert obligé de passer par la bande pour contourner cette rouge. Il aurait peut-être pas dû s'excuser avec Siklinka en disant « Non, mais je l'ai fait exprès, j'ai tout à fait voulu ça. » S'il l'avait, peut-être que Christophe Lambert l'aurait mise dans ce cas-là. Il dit « Tiens, elle voulait me mettre là, bah écoutez. » Je vais la mettre la noire. On voit la bande, elle n'était pas si loin que ça. Hein. Regardez, ouais. Sur une bande avant. C'est un angle extrêmement compliqué. C'est quelques millimètres au démarrage. Hein. Et bon, ça fait maintenant trois occasions de rentrer la noire pour Christophe Lambert dans cette 9e manche. Et malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à en profiter. Et maintenant, Alexis Klinka qui n'a plus que la noire à empocher. Pour reprendre
Le break est repassé devant encore une fois, 5-4. Allez, c'est parti, et ça rentre. Et le revoici devant Alexis Klinka. À 3 manches désormais de se qualifier pour les demi-finales. Il peut s'en vouloir, hein. Christophe Lambert, il avait l'opportunité de pouvoir reprendre la tête. Et cette noire qui n'était pas passée, poche centrale. Et ensuite la bonne gestion d'Aïssel Klinka. Certes, un peu de réussite, mais il a su bien reprendre sa chance. Saisir sa chance pour repasser en tête. Oui, qui s'excuse une nouvelle fois hein, face à Christophe Lambert. Le respect toujours entre les deux joueurs. Et il faut aussi cette part de réussite dans ce type de partie, provoquer la chance. Mais ce qui fait que maintenant, si je veux gagner mon pari, Christophe doit gagner les 4 manches. Les 4 dernières manches, ouais. Plus le droit à l'erreur maintenant pour Christophe Lambert. Bon, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. On demandait seulement un pronostic. On ne va pas donner de préférence, bien sûr. L'expérience. J'apprécie énormément les deux joueurs. Allez, la casse d'Alexis Klinka dans cette 10e manche. Et avec, oui, tout va se jouer sur même pas une demi-table, presque un quart de table. Mmh. Et une bille rouge qui a été empochée à la casse. Mais malgré tout, parmi tout ce qu'on peut voir, eh ben, on peut quand même deviner un schéma de jaune. De ce que je peux voir. Oh, la casse ici d'Alexis, plein centre, toujours tout en puissance. Elle est encore restée en plein milieu du paquet, ça n'a pas beaucoup. C'est pas beaucoup sorti, ça oui. Ça a presque implosé, même si c'est pas le mot qu'il faut utiliser en ce moment. On dira pas plus. Pensez à Rose et Jack. Et ici, Klinka qui va. C'est décidé à partir sur les jaunes, effectivement, c'est le choix là ici le plus viable. Je ne sais pas s'il a assez avancé. Il voulait passer entre la jaune et la noire là et pouvoir jouer l'autre jaune. Je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire. Il peut peut-être le faire avec l'appui de la rouge. Je n'en suis pas sûr. Ouais. Pas tout à fait bien. Alors passons, ça va voir. Ça a l'air de passer. Ouais, avec la rouge justement, comme vous le disiez. Non, ah ça bah va non, pas, même pas sans, besoin. Hein. Même sans, mais comme je disais. Je devinais un schéma de jaune possible au travers de tous ces rouges. Et notamment ce pack de 3 rouges hein, qui est c'est ça, qui un peu à droite de votre écran là. Les 3 rouges sont quasiment collées les unes avec les autres. Compliqué grandement la tâche du schéma rouge. Et Alexis Klinka l'a bien vu. C'est vrai que nous on bénéficie de la vue du dessus, ça aide. C'est ça, la vue aérienne, elle est bien pratique. Bien pratique pour nous. Les joueurs ne l'ont pas. Et donc ils doivent penser autour de la table. Alors là, c'est peut-être le moment où il va aller chercher. C'est pas facile. Et là, une bille jaune qui est tout en bas de table, à droite de votre écran. C'est ça, c'est la transition finale qui ne va pas être facile. Parce que là, il va jouer la bille jaune au milieu. Mais malgré tout, il faut qu'il puisse, soit redescendre sur la bille qui est seule à gauche. Soit voilà, se positionner là. Pour pouvoir ensuite jouer la deuxième jaune. Ouais. La deuxième jaune, pour aller jouer celle qui est le plus loin sur la table là-bas, pour ensuite revenir. En fait, ça fait un peu essuie-glace. C'est qu'on doit aller un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Ce qui fait qu'il suffit de se mettre à un mauvais angle une fois. Et ça ruine tout. Ouais. Et cette je crois qu'il est bien. Ouais, je crois bien. Qu'il est bien. Et il a réussi à rester tellement droit. Qui va pouvoir me faire mentir. Finalement, jouer la bille en bas de table d'abord. Oui, oui. Pour ensuite remonter. C'est ça. Par contre, c'est quand même difficile. Oui, ça reste un schéma compliqué. On revoit cette belle empochage avec l'appui hein, de la poche centrale qui, cette fois-ci, a été plutôt clémente avec Alexis Klinka. Faut qu'il avance de une vingtaine de centimètres pour pouvoir venir se dégager. Attaque haute. Voilà, comme ça, blanche, voilà. Ouais, vous voyez, il les a fait, hein, ce que je disais. Et là, maintenant, il va pouvoir remonter
remonter en bande. En évitant le pack de rouge aussi. Probablement en deux bandes. Ouais. En deux bandes, voilà, venir toucher vers là, vous voyez. Et remonter ainsi la table pour aller chercher cette dernière jaune. Il faut bien éviter la poche du milieu. Mais c'est pas ça, je pense qu'il va le faire sans problème. Avec un bon contrôle de blanche. Vous voyez, je disais ouais. La poche du milieu, ouf. Elle était pas loin. Oui, c'est pas joué à grand chose là, pour Alexis Klinka. Et c'est passé. Il peut toujours le faire, alors. Il peut toujours la mettre au milieu. Le problème, c'est la trajectoire de la noire avec toute la vitesse qu'on va devoir mettre dans la blanche pour pouvoir mettre la jaune. Parce qu'elle est fine, donc ouais, c'est pas donné plus c'est fin, plus il faut jouer fort pour la faire avancer parce qu'on lui transmet beaucoup moins d'énergie. Et donc l'énergie reste dans la blanche. Et donc toute cette énergie-là, il va falloir le contrôler pour pouvoir se placer à un endroit. Ce n'est pas critique pour la noire, parce que la noire ne passe pas partout. Hein. C'est ça, elle ne passe pas dans beaucoup de poches finalement. Hein. Il va devoir se placer au millimètre avec Klinka. Et il la joue de l'autre côté. Et c'est très bien joué. Magnifique, ouais. Le fait de la jouer fine au milieu, c'est très bien. C'est très bien. Il se plaint un petit peu parce que c'est vrai que s'il avait pris et parfaitement pleine la rouge, il était quasiment plein sur la. Enfin, il était quasiment droit sur la noire. Là, il aura un petit peu d'angle. On est perfectionniste. Il a le doute. En fait, c'est que il peut jouer la noire et prendre un petit coup du sort sur une rouge et mettre la blanche avec. Et oui, rentrer la blanche. Donc ça le force à rajouter du contrôle sur la blanche et donc à diminuer la qualité de l'empochage en fait. Plus c'est technique sur la blanche. Plus on ratera la bille. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà. Aïe, 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 ouais, cette noire qui ne s'empoche pas. Cette fois-ci, c'est lui qui manque la noire. On a vu à deux reprises Christophe Lambert manquer la noire, 7e et 9e manche. Et au tour d'Alexis Klinka, maintenant de la manquer sur la 10e, et ça reste difficile hein, pour Christophe de pouvoir évoluer. Mais encore une fois, il a toutes ses billes quasiment. Ça fait sourire Christophe parce que la rouge est en contact avec la blanche. Donc ça le limite encore plus dans ses choix, parce que là, il est obligé de défendre. Oui. Il ne peut pas attaquer. Oui, ouais, complètement. Mais il va falloir bien masquer la blanche pour ne pas que Alexis puisse terminer. Et alors ça, elle est bloquée. Et il a rebloqué la rouge, il a regardé son tas de rouge. Et ça, c'était pas prévu. Ni la blanche là, ni de remettre les trois rouges ensemble. On revoit la tentative d'empoche de la noire d'Alexis. Oui, il a attaqué en bas de la blanche parce que justement... Et il avait trop peur. Il avait trop peur de venir taper dans les rouges, donc il les a évités. Sauf qu'il a évité la poche avec la noire aussi. C'est souvent ça, hein, le problème de trop penser à la replace avant de penser à l'empoche. C'est ça. Alors là, il la voit, il la voit en partie. Mais malgré tout, il essaie de la jouer en bande parce que ça ne donne rien de ne pas la mettre. Il ne se donne aucune opportunité d'empocher. Voilà. Par contre, là... Pas l'angle nécessaire pour Alexis Klinka. Vous l'avez peut-être suivi avec nous hier, en direct ou en replay, la finale du Andy Billard. On s'en souvient, lors de la manche finale, Yvan Carré qui avait empoché la blanche en prenant la noire. Oui, il m'en a parlé. Parce que nous sommes amis parce que nous habitons dans le même coin de Bretagne. Et donc, dans le Finistère. Dans le Finistère. Et donc ça n'a pas été évident pour lui de sur une défaite comme ça. Comme ça, ouais, c'est toujours très difficile à encaisser. Hein. Ouais, ouais, ouais. On discutait avec Maurice Revel notamment qui était avec nous aux commentaires. Oui. Le Réunionnais. Réunionnais, tout à fait. Ouais. Il en fait des kilomètres. Hein. Ah oui, il prend son avion demain soir. C'est un vrai passionné. Sur l'île. Ouais. Non pas sur la ville, hein, mais sur l'île de la Réunion. Sur l'île de la Réunion. Tout à fait. Du côté de l'océan Indien. Et pendant ce temps, Christophe Lambert est en train de nettoyer cette table des rouges. Il a profité. La petite erreur d'Alexis Klinka pour recoller au score. J'espère qu'Alexis n'a pas fait exprès de rater juste pour ne pas faire démentir. Il a peut-être entendu le pari tout à fait que vous aviez donné.
Non, c'est pas du genre de la maison. Hein. Oh non. S'il pouvait mener 6-4, il l'aurait fait, Alexis, mais malheureusement, c'est Noir qui est venu bloquer. Et qui débreak. À la poche. Et de retour, une nouvelle fois, Christophe Lambert. 5 partout dans ce quart de finale. Il ne se lâche pas. Hein. Ouais. Aucun break réalisé entre les deux joueurs. Il n'a pas eu un seul avantage hein, de manche. Les deux joueurs qui se sont suivis depuis le début de cette partie. On revoit le dernier enchaînement avec la rouge et ensuite la noire. On replace plutôt facile pour Christophe Lambert qui a ensuite la rentrée. Et là, je vois que maintenant, il reste 30 minutes pour jouer encore 5 parties maximum, on va dire. Ouais, on a un rythme d'un peu plus de 5 minutes par manche, si jamais on va aller au bout. C'est ça, donc va falloir que ça aille plutôt vite si on veut que le match ne se décide pas uniquement au time. Alors on a eu hein, 3 fermes en début de partie. Et depuis... C'est des noirs ratés, en fait. C'est hein. ça, c'est ça, exactement. Ça va presque au bout. On va en direction de la ferme et malheureusement, la dernière replace sur la dernière bite de sa couleur n'est pas toujours réussie. Et ensuite, il faut compenser. Malheureusement, la noire ne rentre pas. À Christophe Lambert, maintenant, décide de reprendre le lead. On vous le rappelle, on va en 8. C'est rentré. Hein. C'est de rentrer deux fois, même. Deux rouges. Empoché sur cette casse. Ah, les deux joueurs extrêmement performants. Sur la casse, très peu de rendu de main, on va oui. dire. Oui, très peu de casse qui n'empoche pas. Exactement. Alors qu'on revoit ici la casse de la 11e manche de Christophe Lambert et ses deux rouges. Vous pouvez voir qui ont empoché. Je pense qu'il va opter pour les rouges. Alors va-t-il confirmer avec la rouge en diagonale qu'il a la rouge la plus proche de la blanche, ou est-ce qu'il va confirmer au milieu, une histoire de confiance, une histoire de lecture en finesse? La rouge en poste centrale, la plus en haut à gauche, on va dire, de votre écran. C'est ça, bah c'est pour celle-là qu'il opte. Qui va décider, Christophe Lambert. Valider les rouges. Il s'est donné plus que 4 billes à devoir empocher avant de s'attaquer à la noire. Il aura tout de même un petit espace là à trouver sur ces 3 dernières rouges ensuite. Parce qu'elles sont un peu bloquées les unes entre les autres. Avec notamment ces 3 jaunes hein, aussi qui sont dans le parage. Et cette jaune également, toute proche hein, de la poche centrale à droite de votre écran. Oui, donc cette bille-là est assez déterminante. Hein. Faut la mettre et bien se replacer. Aïe, 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 cette rouge qui ne rentre pas. Et donc la main qui passe à Alexis Klinka. Et puis derrière, et pas tout faux, Christophe Lambert. Parce que l'idée était là, mais la replace de la blanche avait poussé la rouge contre la bande. C'était pas mis dans des bonnes dispositions derrière. Il a pris un tout petit peu trop fine. Cette même poche qui avait été refusée avec Siklenka sur la dernière manche. Avec la noire cette fois-ci, Christophe Lambert a été lui aussi refusé. Et comment s'en sortir là pour aller Siklenka, parce que la table jaune elle est pas évidente. On va sortir ces deux jeunes du trafic avec le bille sur bille. Il n'est pas très heureux dessus quand même. Parce que la noire vient bloquer une jaune. Ah, et voilà, on voit le petit signe de main. Et la noire aussi hein, qui s'est bloquée par la même occasion. Il va peut-être essayer de snooker. Hein. Je ne sais pas si il peut le faire avec la noire à côté de la noire, mais non. Il préfère prendre sa chance. Elle est snooker là-haut. Ouais, avec ce pack de 2 billes là, pour se cacher derrière. C'est ça, et je pense qu'il va placer la jaune devant la poche milieu et venir masquer toutes les rouges grâce à la jaune, à la deuxième jaune.
tout en finesse. Est-ce qu'elle a touché la bande? C'est possible qu'il y ait faute. Eh ben, il y a faute. Il lui marche, ouais. Vu le petit... Mandel a replacé. Première faute de cette partie au bout de la 11e manche. Hein. À quel point les deux joueurs ont été précis dans leur coup. On revoit la replace de la blanche. C'était l'idée hein, de voir se cacher derrière, oui, mais, oui. Mais il a été trop doux. Ici, Klinka. Il manque vraiment rien. Hein, pour elle s'est arrêtée tellement proche de la blanche. Là, ça aussi, c'est quelques millimètres. Hein. Oui. Et donc, un tir libre pour Christophe Lambert qui peut faire ce qu'il veut. Pas obligé de jouer sa couleur. Il va enlever la noire et compliquer les jaunes. Ouais, c'est garder une sécurité si jamais il n'arrivait pas à fermer cette table. Il y a toujours cette rouge hein, qui est collée à la bande à gauche de votre écran et qui pose problème. Il va retirer une des rouges. Et il peut peut-être venir se placer directement sur cette rouge longée de bande. Longée de bande, ouais. Peut-être venir même la décoller si jamais avec la replace. Ça, je pense pas. Je pense pas qu'il va chercher à décoller. Parce que décoller, comme on disait tout à l'heure, rajoute un peu d'aléatoire. Et là, il en a pas envie. Il va la jouer, hein. Il va la jouer maintenant. Ouais, il aurait peut-être voulu être un petit peu plus long encore. Oui, il aurait préféré. Mais il était presque droit, alors il a fallu... Qui joue le coup en force. Force est son destin. Christophe Lambert. C'est ça, qui va essayer de se replacer. En finesse, non, elle n'y va pas, cette rouge. Ouais, c'était un coup difficile. Pour moi, elle était dedans. Je crois qu'il a un tout petit peu penché. Si... Je crois, la réaction de la rouge me paraît un peu étonnante. Suspecte. Ouais. J'aimerais bien le voir au ralenti. Est-ce qu'on va la voir au ralenti? Dépend de la technique. On va peut-être nous recaler ça. Voilà. Et cette rouge qui est venue rebondir sur les oreilles. Elle s'est un tout petit peu écartée. Bah, d'ailleurs, oui, on voit, ouais, on voit qu'ils se sont parlé parce que le billard a penché. Maintenant, c'est une certitude. Alors, c'est pas forcément le fait qu'il soit mal réglé. Ça peut être une histoire de tension de tapis, une histoire d'une petite poussière qui peut gêner l'axe et qui peut changer. C'est tellement... On parle tout à l'heure que de millimètres. Mmh. Alors, des millimètres, c'est rien. Hein. En même temps, ça peut être énorme, comme de ne pas toucher la bande tout à l'heure. Et en même temps, ça peut être rien. Mmh. Il suffit d'un... Un tout petit truc là qui a changé la direction de cette rouge. Oui, et ben c'est peut-être ça justement, c'est que Alexis Klinka a eu le même problème quand il a pas touché la bande. Il a légèrement décalé. Ouais, il l'a montré sur la table. Ouais, c'est ça, que moi aussi, en gros, on est dans le même, dans le même bateau. Tu as souffert, et ben je souffre également avec toi. C'est ça. On partage ce moment à deux. Bon, ce qui est bien, c'est que ça n'aura pas été à l'avantage de l'un ou de l'autre. Hein. Les deux auront eu ce fait de jeu contre eux dans la même manche. Là, il joue le bi sur bi, Christophe Lambert. Ouais. Niraou. Alors, on pourrait croire bien joué, mais non. Oui, le résultat de cette rouge, c'est catastrophique, fait que ça devient très, très compliqué. Peut-être qu'elle passe. Coller à la jeune, il faudra vraiment se coller à la bande. Hein. Oui, voilà. Par contre, c'est coller ou perdu. Ouais, exactement. Parce que là, sinon, cette rouge, elle ne passera pas en revoir ralenti. Et là, malheureusement, il a peut-être le choix. Ah non, il va venir se coller. Il va réussir. Un peu trop court. Non, il peut. Je pense qu'il la voit. Il va pouvoir venir contacter la jaune avec la blanche. S'il la voit, il ne va pas la voir de grand chose. Hein. Là, c'est vraiment la marge. Parce qu'il faut d'abord toucher la rouge. Hein. Ici, s'il touche d'abord la jaune, ce sera faute. Il peut prendre un peu de bande avant s'il veut. C'est la réaction de la blanche ne sera pas très très différente. Voilà. Ouais. Mais il en manque un peu, trop pleine la rouge. Alors, il fallait prendre un tout petit peu plus fin pour remonter avec la blanche. Après, il n'y avait pas beaucoup de choix. Hein. Ouais. D'espace là. Après, bah voilà, il peut toujours la mettre.
il peut toujours la mettre. Il faut, c'est à lui la main. Il est encore sur la table. Il a une bande à jouer. On sait à quel point il est fort en bande. Oh oui, le maître dans la matière. Ah oui, oui, oui. Christophe Lambert qui a maintenant l'opportunité de pouvoir reprendre la main. Et comme sur la 7ème, comme sur la 9ème manche. Il joue la bande inverse. Il va la jouer peut-être en mesure. Il a la possibilité d'empocher cette noire qui part bien, mais qui reste bloquée devant la poche. Jamais 203 pour Christophe Lambert qui, une nouvelle fois, manque la noire. Ouais, décidément, c'est. Moment critique. Les noirs posent problème depuis quelques frames. Le nom anglais pour dire la main, la manche. C'est ça. On revoit cette belle tentative. Hein. Elle partait bien, cette noire, mais elle est venue. Coincée devant. Bloquée devant les oreilles de la poche. Et maintenant, ici, quelqu'un de jouer qui doit défendre. Il est dans l'obligation de défendre parce qu'il y a cette jaune hein, en bas à droite de votre écran, en bas à gauche désormais. Ça, c'est. Qui alors, est bloqué. Alexis voulait bloquer plus encore. Il voulait bloquer plus de bandes. Parce que là, il va laisser. Enfin, Christophe va jouer cette bande. Et comme tu disais tout à l'heure, ils sont forts en bande. En bande. Donc voilà. Ça pourrait être rédhibitoire. Hein. Là, pour Alexis, il est en train de viser. On va voir ce que ça donne. Il a peut-être eu peur, hein, Alexis, d'une nouvelle fois concéder la faute en venant se cacher derrière cette jaune. Parce que c'est exactement le même endroit que tout à l'heure. Vous l'avez concédé. Elle avait fait cette petite erreur. Et là, un coup décisif pour Christophe Lambert. Alors vous l'avez peut-être entendu au micro de Christophe Bosco. Yannick Beaufils qualifié pour les demi-finales. C'est imposé face à Kylian Ballon. Yannick Beaufils qui tombera en demi-finale contre le vainqueur de cette partie entre Alexis Klinka et Christophe Lambert. Allez, la bande. La bande, alors, elle demande de l'effet. Elle n'est pas naturelle. Ouais. Il imprime de l'effet à droite pour contrer, et il y en a trop. Il y en a trop, et il vient toucher d'abord la jaune. Enfin, il en manquait. Il manquait de l'effet. Il en a fallu encore un peu plus que ça. Ah, c'est très difficile, hein. On va dire qu'on va la serviette. Ouais, ouais. C'est la bande. Heureusement qu'on n'est pas à la boxe. Hein, parce que là, sinon, c'était l'abandon. Ça va, il n'a pas tapé trois fois sur la. Au catch. Il va taper trois fois au sol. Non, il n'abandonne pas. Hein. Christophe Lambert, il va rester encore concentré. C'est pas si perdu pour lui. Mais c'est vrai que plus le timer avance. Plus le fait d'être mené au score rajoute une pression supplémentaire parce que. Et là, ça peut jouer en faveur d'Alexis Klinka désormais. C'est ça. Qui a le temps de pouvoir nettoyer cette table. Ces quatre dernières jaunes. Et ce sera à lui la casse. Et ce sera lui la casse ensuite, ouais. Ah là, il commence à se contaminer tous les deux. D'agacement, d'énervement. C'est la dimension psychologique de cette partie. Oui. Quand on est dans des parties aussi serrées comme celle-ci, ouais, il faut vraiment arriver à rester concentré du début à la fin et on le sait, c'est très dur, hein, mentalement. Ce sera peut-être le money time, hein, cette partie. Elle a son importance pour l'un comme pour l'autre. Et puis il y a l'aspect aussi fatigue, hein, on est en fin de week-end, fin de saison. C'est ça, fin de week-end, fin de saison, sur un week-end de 3 jours. Hein. Donc là, c'est le 3e jour de compétition. Qui a demandé beaucoup d'énergie à ces deux garçons, même si Christophe Lambert était éliminé au premier tour. Alexis Klinka, lui, est arrivé jusqu'en quart de finale, donc a joué plus de matchs. C'est ça, plus les matchs en équipe le lendemain. Samedi, ouais. Tout à fait. Avec Viroflé. On voit le body language de Christophe Lambert, là, qui est. Ah, c'est un joueur très expressif, Christophe Lambert. Oui. On voit souvent agacé quand ça va pas. Et au contraire, quand il est en pleine forme, le démontrer aussi. Et là, Alexis Klinka va en profiter et repasse devant à nouveau. 6 manches à 5 dans ce quart de finale. Quelle partie, les deux joueurs en pleine discussion. Débrief pendant la remise du triangle.
cette 11e manche. Et c'est Klinka qui a une nouvelle fois profité de la petite erreur de Christophe Lambert de ne pas avoir empoché cette noire. Et ça fait trois cases d'affilée hein, que Christophe Lambert perd. Et ne croyez pas que l'arbitre est en train de regarder son téléphone. C'est... non, c'est pour contrôler le timer. Le timer, effectivement. Oh non, il est bien très, concentré, très impliqué dans ce match. On utilise le téléphone pour voilà, contrôler. On a toujours le chronomètre lancé des 45 secondes. C'est ça, lance à la main. On a une application qui permet de créer l'extension dessus et de gérer les 45 secondes. Ça vibre dans votre main, non plus pour ne pas sonner, pour ne pas déranger les joueurs en pleine action. Ça vous permet aussi d'annoncer quand à peu près le milieu du temps est déjà passé. Et la casse de cette 12e manche avec une rouge empochée pour Alexis Klinka. Et de belles rouges. Une confirmation difficile. De toute façon, j'espère qu'il n'a pas envie de prendre les jaunes. Oui. Parce qu'il n'en voit aucune. Et la confirmation est délicate. Peut-être un bis sur bis en bas de table. Oui, probablement ça. Ce qui l'ennuie un tout petit peu, c'est d'être par-dessus. Il n'est pas un petit peu par-dessus la rouge. Ce qui risque de l'embêter un peu. Et cette deuxième rouge là qui revient quasiment se coller à la blanche. Il n'est pas très heureux depuis quelques casses Alexis Klinka. Même si cette fois il a réussi à empocher, ce qui n'avait pas été le cas notamment de la 12e manche, de la 10e pardon. Ah, c'est bon, il n'est pas par-dessus, vous voyez, c'est 4, juste à côté. Hein. Ouais. Il a pile l'espace pour passer. Voilà, là par contre il l'a parfaitement exécuté. Et il s'est libéré. Ouais. Il va pouvoir s'enlever les dernières billes gênantes, en sachant qu'il va falloir enlever la rouge dans la poche qu'il vient de jouer assez rapidement, parce que il faut ne pas finir par celle-là pour pouvoir jouer la noire dans cette poche. Hein, tout à fait. Donc là, il va probablement avancer, faire rétro. Alors, passer par la bande finalement. Et là, il va faire rétro. Ah oui. Mais il va faire rétro quand même. Mais sauf que il s'est mis par-dessus. Et le rétro ici est difficile. Hein. Il va passer la queue au-dessus de la noire, mais d'arriver quand même à avoir une attaque basse, pardon. C'est ça, ouais. Il faut viser le bas de la blanche malgré que vous soyez par-dessus. Alors, je ne pense pas qu'il va rater la rouge parce qu'elle est vraiment en poche. Par contre, l'exécution de mettre pile l'effet qu'on veut et la puissance qu'on veut par-dessus comme ça, c'est plus complexe. Tout en restant stable, c'est parti. Et il est venu frapper la noire parce que la direction n'était pas bonne. Et maintenant, il se retrouve en difficulté. Alexis Klinka avec ses trois dernières rouges à empocher. Décidément. Mais c'est... On n'a pas eu une casse hein, depuis la quatrième manche. Oui. C'était bien parti. Et puis. À chaque fois, on est venu. Les machines se sont enrayées. Oui, tout à fait. Alors qu'il reste plus que 12 minutes au compteur. On ira peut-être finalement au bout de l'heure 50 entre les deux joueurs. Et voilà ce qu'on pouvait craindre pour Alexis Klinka, cette rouge qui ne rentre pas. Et la petite frustration d'Alexis. Bon, en tout cas, mon pari ne peut plus être remporté. Je n'aurai pas le score exact. Vous n'aurez pas ma reconnaissance éternelle. C'était ce qui était en jeu, je vous l'avais pas dit en début de partie. Et voici maintenant Christophe Lambert autour de la table. Et beaucoup de trajets en bas de table. Quasiment toutes les jaunes sont regroupées au même endroit. Il y aura tout de même cette jaune à négocier, la plus en haut, qui est contre la bande. Et ce qui sera difficile à déloger. Ça reste une table difficile encore pour Christophe. Oui, avec cette jaune esselée là. Oui. Il défend. Christophe assure le coup. Et qui place Alexis Klinka en situation totale. On vous rappelle ce qu'est une totale. Quand vous ne pouvez pas voir votre bille de couleur directement, obligé de passer par la bande. Et donc, pas besoin de bande après contact. Voilà, c'est ça.
les petites particularités du billard Black Ball à connaître. C'est ça, une petite nuance avec la règle qu'on parlait tout à l'heure au niveau de l'ultimate où il faut faire bande après contact même quand on est total. Et ça change beaucoup de choses parce qu'on ne peut pas jouer coup de mesure, il faut les jouer fort. Oui. Et ça évite de défendre comme là par exemple, il l'a quand même masqué sur quasiment toutes ses billes. Ouais, alors qu'il n'aurait pas pu le faire avec les règles ultimate. Donc ça forçait à l'offensive, vous voyez, parce qu'il a fait bande avant, puis bande avant. Puis, la rouge a quand même tapé la bande. Oui, donc oui, là, ça aurait fonctionné quand même. Par contre, si la rouge avait pris une direction d'aller en plein milieu de la table... Sans toucher la bande. Ouais. Voilà, et bien là, c'était faute. C'était faute à l'ultimate. Mais ici, c'est un coup réglementaire. Et maintenant, c'est Christophe Lambert. Alors, est-ce qu'il est en total? J'ai pas l'impression. Ça peut quand même toucher directement une des jaunes en haut à droite de votre écran. Mais comment arriver à passer au tour et empocher. Là est la question. Pour le joueur de jouer les tours, capitaine de cette équipe de France, notamment à Albi, championne du monde. Et il l'a touché. Il l'a touché. Est-ce qu'il a fait faute? Parce que... Ouais, est-ce qu'elle a touché la bande, cette jaune? Je ne sais pas s'il y a faute. Les joueurs qui sont en discussion avec l'arbitre. Nous, on pourrait le savoir en regardant le replay, de savoir si la blanche fait deux bandes puis touche la jaune. Il y a bien faute, oui. Ouh là là. Petit geste d'énervement de Christophe Lambert. Il n'est pas en accord avec ce qu'a déclaré l'arbitre Arnaud Guidez. Et là, ça peut être décisif pour Alexis Klinka s'il arrive à bien profiter de ce tir libre. Se libérer l'espace avec ses trois dernières rouges pour ensuite négocier la noire. Pas obligé d'empocher, on le disait. Juste arriver à bien placer sa bille. Plutôt bien fait. Bon, déjà la replace sur la noire. Avec là, cette rouge. Là, c'est presque. Il a presque scellé son destin, Christophe Lambert, avec ça. Parce que ça va faire deux manches d'avance. Mmh. Et il reste 8 minutes. C'est ça. 8 déjà, minutes. Donc. 8 minutes pour gagner 3 parties. Ça paraît très compliqué. Ça paraît très compliqué. Au moins en gagner 2 pour au moins, arriver, voilà, arriver au timer. Arriver à une décisive. Avoir la décisive à 7-7. C'est maintenant le seul espoir de Christophe Lambert. Et c'est un cas qui perd pas de temps, qui empoche toutes ses billes. Pas décidé à aller au timer, il veut aller au bout de cette partie. Et se hisser en demi-finale contre son copain. Yannick Beaufils, voilà qui est fait. Ah bah voilà. Et la victoire d'Alexis Klinka, c'était bien en 7, hein, au final. On s'était trompé. Alors en début de match, c'était en 7 manches gagnantes. Hein. Ah bah nous sommes désolés de cette info. On est désolés, c'était bien en 7 et pas en 8. Et donc Alexis Klinka qui se qualifie pour les demi-finales. Évidemment, ça annule donc le pari, vu que on s'était trompé de distance de jeu, donc je ne pouvais pas gagner. On aura l'occasion une prochaine fois de, de retenter sa chance. On se renseignera sur le nombre de manches. Oui, d'abord. Et puis finalement, la victoire d'Alexis Klinka sur cette dernière noire. Et donc la déception de Christophe Lambert qui était encore plus normale puisqu'il savait que ça lui coûtait le match sur cette faute. Et donc voilà, vous voyez le joueur en discussion. À chaud comme ça là, c'est pas évident. Hein. Ah, c'est toujours difficile à encaisser. Hein. Lui qui a été éliminé au premier tour de ce tournoi national numéro 8 à Montaigu et maintenant éliminé en quart de finale des championnats de France. Une saison noire pour Christophe Lambert. On va remercier Pierre-Damien Coste de m'avoir accompagné. Avec plaisir, Loïc. Dans cette partie. Et puis on se retrouve très vite, 14h, pour les demi-finales, 16h30, la finale, en direct sur Sport en France. On se dit à tout à l'heure. A plus. Ciao, ciao.